Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Après une matinée très très copieuse sur le plan intellectuel et un déjeuner très copieux aussi sur le plan alimentaire, on entame cette quatrième séance sur le colloque international sur l'œuvre de Jorge Luis Borges. Et cette séance-là, et bien sûr, va aborder le thème Borges et le monde arabe, Borges chez les auteurs marocains. On a une première session avec trois intervenants, puis une deuxième session avec quatre intervenants. Il y aura une petite pause café et bien sûr avec une discussion avant. Et je demande à tous les participants de respecter les 20 minutes parce qu'on a déjà perdu suffisamment de temps. Et je donne la parole en premier à notre confrère Ibn Gail Yassir, qui est professeur de littérature comparée de culture de l'imprimé à l'université de Versailles. Elle va nous parler des mille et une nuits, mais elle va plutôt s'arrêter à la 602e nuit du conte où Shahrazade et Shahryar, bien sûr, se racontent des histoires. Sans tarder, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, et je voudrais remercier les organisateurs. Du colloque d'avoir retenu ma proposition de communication. En fait, je vais commencer par une histoire qui n'est pas celle de la 602e nuit de Borges, mais par une histoire voisine, et vous verrez dans un instant pourquoi. Au chant 12 de l'Odyssée, Ulysse entend le chant des sirènes. 8 vers chantés par les sirènes parviennent à ses oreilles et il répète ces vers à la cour du roi Alcinoos lorsqu'il cherche à convaincre les Phéaciens à le conduire chez lui. Il est à ce moment-là le protagoniste de son récit, le seul témoin, et il en est aussi l'aide, le poète, car il chante devant la cour d'Alcinoos comme n'importe quel rhapsode errant. Il est aussi, surtout, la sirène de deux façons métaphoriques et réelles. Métaphorique parce que c'est un poète charmeur qui cherche à convaincre les Phéaciens à le conduire chez lui, et réellement car il prête au vers des sirènes sa propre voix. L'expression, la métrique, les formules et la grammaire de ces 8 vers dans l'Odyssée font entendre au sein du poème la métrique, l'expression, les formules et la grammaire de l'Iliade. Je n'entre pas dans le détail, mais ça a été longuement prouvé. Ce que je veux dire par là, c'est que les monstres marins, les sirènes, cherchent à captiver le héros qui revient de la guerre de Troie en chantant ses prouesses à cette guerre même. Elle les résume en deux vers et lui promet en plus un savoir universel. Au premier vers de leur chant, l'adjectif poluainos, poluain odysseux, pourrait signifier, premièrement, digne de grands éloges, et il désigne alors Ulysse comme le héros épique. Ou bien, cet adjectif pourrait signifier habile à raconter des histoires, et il qualifie dès lors l'homme des récits séducteurs réfugié chez Alcinoos. Le danger qui se profile dans cet épisode n'est pas tant qu'Ulysse y perde la vie puisqu'il réchappe comme on sait. C'est qu'il se laisse envoûter par le chant nostalgique et fatal du passé, par le chant de la guerre de Troie, et qu'il revienne en arrière, car s'il y succombe, il y a un plus grand danger encore, que l'Odyssée s'arrête, s'interrompe, et qu'on voit se déployer à sa place l'Iliade qui viendrait en occuper subrepticement cet endroit. Le chant 12 de l'Odyssée montre donc très tôt le danger d'un déploiement menaçant au sein d'une œuvre, d'une insertion abysmale qui rendrait l'œuvre double, de même que les sirènes sont doubles, moitié femmes, moitié oiseaux. Les anciennes sirènes sont des femmes oiseaux. Cette insertion abysmale multiplie en fait au sein de l'œuvre
les registres et en même temps l'attrait de l'œuvre, tout en la rendant labyrinthique, imprévisible et d'une certaine manière infinie. Borges a tôt ressenti une séduction analogue devant une nuit qualifiée de magique, Mágica entre las noches, qui tient dans son œuvre la place séduisante d'un chant de sirène. Elle est, cette nuit, de nature protéiforme, c'est-à-dire qu'elle rappelle Protée, le vieillard de la mer, dans une scène très célèbre, toujours dans l'Odyssée, qui se transforme tantôt en lion, tantôt en dragon, en léopard, en eau coulante et en arbre, lorsqu'il est aux prises avec Ménélas sur la côte d'Égypte. Et elle est donc protéiforme parce qu'elle change sans cesse de forme et de signification. Au cours de cette nuit, chez Borges, Scheherazade raconte à Shahriar une histoire, la sienne de Shahriar, ou la leur. Je reviendrai sur cette ambiguïté. Elle revient aux origines de sa longue narration et rappelle au roi les circonstances de son drame. Ce récit n'est pas évoqué pour sa vertu thérapeutique, mais comme un conte commenté par Borges sous l'angle du récit dans le récit, plus encore du récit d'origine qui viendrait interrompre la narration pour faire place à une interpolation. Cette interpolation installerait l'histoire initiale, la faute première, nécessairement tronquée, puisque les nuits s'arrêteraient à ce moment-là, donc tronquée et pourtant infinie, puisque la narration reprendrait jusqu'au moment où elle se tronquerait de nouveau pour recommencer. On aurait donc d'une certaine façon un schéma selon lequel la faute se double de la faute, le tronc est greffé de sa racine, et comme la sirène, sa voix séductrice, la voix séductrice de ce récit, aliénerait par une éternité de récit sans issue, sans fin, l'œuvre elle-même. On aurait affaire à un cauchemar de forme et de sens instable comme Protée. Ce motif, qui est récurrent dans l'œuvre de Borges, porte parfois, mais pas toujours, et en fait pas dans la majorité des cas, le nom de 602e nuit. Il a depuis longtemps attiré l'attention. Plusieurs commentateurs ont cru à une supercherie ou à un artifice. En 2002, Ahmed Aradou, dont il a été question ce matin, en passant par les traductions espagnoles de Cansino Sassens et anglaises de Richard Burton, on a identifié l'origine dans la 602e nuit de la traduction de Richard Burton. On y lit en effet une autre version de l'histoire du génie et de la jeune fille enfermée dans un coffre que le génie sort du fond de la mer, comme dans le récit cadre. Et cette histoire, on peut dire que cette histoire comme Protée et les sirènes est liée d'une certaine façon à de l'eau. Mais ce n'est là, vous le voyez tout de suite, qu'une partie en fait de l'histoire d'origine des Mille et Une Nuits, une partie et non pas la totalité de l'histoire de Shahriar. Cette découverte d'Ahmed Aradou a été confirmée par Evelyn Fishburne quelques années plus tard, qui a retrouvé encore mention de ce récit, en plus de Burton, chez Lettman, chez Fane, dans une traduction de Lane et je passe. Evelyn Fishburne a prolongé l'enquête avec l'aide de l'arabisant Robert Irving et elle a signalé une autre nuit adventice dans la traduction de Burton qui est elle-même traduite d'après la traduction de Habicht. Dans cette traduction de Habicht, en fait, c'est particulièrement intéressant parce que cette nuit, c'est la dernière des Mille et Une Nuits. Elle porte le nom de Layla al-Hadiya Badal Alf. Donc c'est vraiment la nuit qui clôture l'œuvre. Et cette dernière découverte d'Evelyn Fishburne confirme en effet que ce récit raconte sous forme abrégée l'histoire du récit cadre dans son ensemble. La provenance donc de ce motif est double et l'énigme est résolue. La critique s'est jusque-là intéressée au titre et à l'origine de l'idée, plus qu'au passage qu'il apporte, aux termes que ces passages emploient, à leur rôle dans les textes de Borges, qui ne relèvent d'ailleurs pas d'un seul genre.
comme vous le verrez dans un instant. La brève étude que je vais vous présenter se demande plutôt ce que Borges cherche à dire dans les différentes facettes de cette nuit protéiforme. L'idée n'est pas partout la même, même si on relève des traits récurrents, elle évolue selon le principe de la variation, on en a déjà parlé, variation qui fait par exemple référer à Borges la traduction de Burton dans les années 30, lorsqu'il juge la version de Galland la plus mal écrite de toutes, dit-il, la moins fidèle, la plus faible, fin de la citation, mais ce principe de la variation lui fait plutôt préférer la version de Galland dans les années 80, lorsqu'il préface et insère la version de Galland dans sa bibliothèque personnelle. Que se joue-t-il donc dans ces passages? C'est la question que je voudrais poser. Je dirais qu'ils sont porteurs d'un motif modulé et répété, mais ils ne forment pas une évocation répétitive, à mon avis, comme le dit Ahmed Arabou. Ils sont plutôt un proto-littéraire qui rencontre et féconde un des axes, enfin, qu'un d'ailleurs, des axes fondamentaux de l'œuvre. Le motif apparaît dans sept textes, ce qui est un chiffre magique. Ahmed Arabou en a signalé 5, de 1935 à 1977, mais on peut ajouter la conférence de 1968 que Borges donne sur Don Quichotte en anglais à Austin, et qu'on peut entendre en ligne, et sa préface à la traduction des Nuits par Galland, le numéro 52 de sa bibliothèque personnelle que j'évoquais il y a un instant. Il y en a peut-être d'autres qui m'ont échappé. Trois de ces textes sont des essais publiés de 1935 à 1949. Le quatrième est une nouvelle policière de 1944. Le cinquième, une conférence. Le sixième, un poème paru en 1977. Le septième, le prologue de 86, donc grande variation générique. La 609e nuit n'est mentionnée en fait que dans trois essais sur une brève période, donc vous voyez seulement sur 3 cas sur un ensemble de 7. J'ai retenu cette appellation parce qu'elle est commode, et tout le monde la connaît sous l'intitulé 602e nuit, mais en fait ce n'est pas exact que de l'appeler ainsi. Et le motif préoccupe Borges, donc sous le chiffre de 602e nuit entre 1935 et 1939, donc sur une période très courte, car l'essai de 1949 n'est en grande partie une répétition consciente, d'ailleurs, et avouée de l'essai de 1939. La fiction, la conférence, le poème et le prologue s'y réfèrent par périphrase et rendent cette nuit centrale, alors même que l'idée prend de l'ampleur. Elle devient donc désormais centrale dans l'œuvre et parfois on voit dans les commentaires qu'il y a parachutage de l'idée de la centralité sur l'idée de la 602e nuit, qui évidemment est une nuit qui ne peut pas être centrale dans les 1001, 602 ne peut pas être un centre, c'est très clair. Alors, chaque mention, c'est beaucoup plus, ce que je vais dire là est beaucoup plus important que ce que je viens de dire, chaque mention, et c'est ce qui m'intéresse, s'enrichit, donc chaque mention, on a des éléments nouveaux. Dans les essais, cette nuit entre en dialogue avec une argumentation plus générale sur le rôle de la littérature. Dans la nouvelle policière, elle est au cœur des valeurs du récit. Dans la conférence, elle change de protagoniste, ce n'est plus l'histoire de Shahriar. Dans le poème, elle concerne la métaphorisation et l'esthétique des nuits dans l'ensemble. Je commence par les traducteurs des Mille et une nuits qui posent les premiers termes. L'objectif de cet essai, comme vous le savez, est d'évaluer les traductions les unes après les autres, donc les traductions les plus connues des Mille et une nuits, leurs mérites et leurs démérites. La 602e nuit apparaît à la fin de l'essai. Borges dit qu'elle naît d'une nécessité mécanique, le besoin des copistes de remplir le récit cadre d'autant de récits qu'annonce le titre. Donc on sait que dans les mille et une nuits, il n'y a pas mille et une nuits. Et donc cette nécessité de remplir de nuits produit ce phénomène de répétition
Et Borges qualifie aussitôt ces répétitions de poétiques, et c'est ce qui l'autorise à rêver à une traduction très différente de la probité sèche de Littmann qu'il commente en dernier. Cette modification de la 602e nuit en obligation, disons, la métamorphose de l'obligation absurde du remplissage en rêve poétique, comme le miroir ou le masque, met en place une dimension, donne à cette 602e nuit une dimension héroïque, apparaît le motif à ce moment-là du roi qui écoute sa propre histoire, et c'est ce que vise l'essai. Car à travers cette traduction qui porte le reflet, la densité et l'histoire de chaque littérature, Borges discute en fait le rapport entre littérature. La raison pour laquelle la traduction de Littmann le déçoit, c'est que cette traduction n'est pas à la hauteur de la littérature allemande, littérature essentiellement fantastique, comme l'est la 602e nuit au sein des Mille et Une. Outre cette dimension, et cette dimension est importante parce qu'on voit que Borges utilise en fait les nuits comme une pierre de touche où se mesure l'originalité et la spécificité de chaque littérature. C'est comme une règle qui mesure en fait le degré de rêve dans chaque littérature. Cet essai contient deux allusions à l'édition de Habicht, et je le signale en passant et très vite. Ça me paraît important parce qu'on connaît en général dans l'œuvre de Borges l'importance de la traduction de Richard Burton. On n'a pas suffisamment souligné l'importance qu'a pu avoir l'édition de Habicht. Or, cet essai dès 35 fait deux allusions à la traduction de Habicht. Donc, on tient là une pièce qui garantit que la rencontre entre les nuits et l'Allemagne aurait dû donner autre chose que la traduction de Littmann. Quand la fiction, vie dans la fiction, est à considérer en même temps que magie partielle du Quichotte, les deux essais sont à lire ensemble parce que le premier est une première version du second, la raison pour laquelle le second commence par une allusion appuyée aux répétitions conscientes. On a à ce moment-là une deuxième métamorphose où la 602e nuit franchit un degré et devient la loi labyrinthique qui fonde la complexité de l'œuvre. Le roi entend le début d'une histoire qui embrasse toutes les autres et qui, monstrueusement, dit Borges, s'embrasse elle-même. Quand la fiction vit dans la fiction, rend hommage d'ailleurs à une boîte de biscuits que Borges avait vue enfant et qui rappelle la boîte de la vache qui rit, où on a cette même répétition abysmale du motif, donc la vache qui rit qui porte une boucle d'oreille dans laquelle une vache qui rit porte une boucle d'oreille, et ainsi de suite. Avec une gradation, là aussi, en 1949, la fiction inclut le lecteur lui-même qui devient personnage, de même que la nuit magique s'embrasse elle-même monstrueusement. Donc on a tout d'un coup l'inclusion, en plus, si vous voulez, de l'œuvre du lecteur lui-même, et on peut retrouver d'ailleurs ce motif rappelant par exemple des vers de la tempête shakespearienne qui évoquent le fait que nous sommes tous non pas des êtres qui existent dans la réalité, mais des êtres qui sont rêvés par quelqu'un. Gradation suivante, dans le jardin au sentier qui bifurque, qui rend cette nuit, son numérotation désormais, une nuit qui habite le cœur de l'œuvre. La nuit symbolise l'infini, vous en doutez, mais surtout, le principe du labyrinthe qui régit ce conte est double. Il ne s'agit plus d'un labyrinthe qui se déroule uniquement dans l'espace, mais un labyrinthe qui est aussi doublé par un labyrinthe temporel. La bifurcation existe donc aussi bien dans l'espace que dans le temps. C'est ce qui permet à Borges de mettre en place le principe du traître qui est en même temps le héros, ce qui se vérifie dans la
nouvelle policière, je suis désolée, mais avec les contraintes du temps, je suis obligée de passer très vite sur des choses qui mériteraient qu'on s'y arrête un petit peu plus. Mais effectivement, le personnage qui tue donc Stephen Algott dans cette histoire est un traître en même temps qu'il est un héros aux yeux de son chef qui aura le message à une certaine distance. Borges courtise ici évidemment l'éventualité d'une multiplicité d'intrigues parallèles qui donne à cette nuit un cachet unique. Le symbole donc, l'infini, reste le même dans la conférence de 68, la centralité aussi. Ce qui change est désormais le protagoniste de cette histoire magique qui n'est plus Shahriar mais Scheherazade. That story is the story of Scheherazade avec une nouvelle valeur, l'oubli. Scheherazade est qualifiée de absent-minded. She narrates absent-mindedly. Et ce motif de l'oubli qui double ici la mémoire est un principe fécondant de la suite. Ce rêve revient dans Métaphore des mille et une nuits, qui est une synthèse et une somme des réflexions de Borges sur l'œuvre arabe médiévale, mais aussi, comme il l'a dit, neuf ans après l'avoir publié, un poème bric-à-brac. Dans la troisième métaphore, le rêve embrasse l'arc du temps, du fin fond du passé à l'avenir, tout en étant une chaîne d'anneaux de rêve dans le rêve. Dans ce labyrinthe, la torpeur se double d'oubli. Une Scheherazade alanguie raconte au sultan leur histoire, histoire commune désormais, et le poème parle des Historia de los dos, n'est-ce pas, qui est en plus effacée de leur mémoire. Vous voyez, on a franchi encore un degré et l'oubli devient un oubli qui frappe à la fois Scheherazade et Shahriar. À présent, dans le poème, l'emboîtement infini a fait perdre aux personnages leur identité même, car cette parole d'oubli et d'engourdissement est le propre du sommeil. Le poème paraît dans une page du quotidien La Nation qui est consacrée au symbole du livre à l'occasion d'une exposition internationale à la Bibliothèque nationale de l'Argentine. Et cette célébration officielle le cède en fait à une parole tisserande qui ourdit une image proprement fabuleuse du livre des nuits, livre désormais majuscule, hein, El Libro avec une majuscule, principe suprême qui devient monde et temps capable de raconter au lecteur sa propre histoire. Hein. C'est l'image sur laquelle conclut le poème. Je conclue. Confondre, c'est pas la peine de me rappeler à l'ordre, je comprends. Confondre l'objectif avec le subjectif. Le monde du lecteur et le monde du livre. L'idée était déjà en 49 dans Magie partielle du Quichotte, mais au gré de plusieurs exemples littéraires. Le Quichotte, Hamlet, le Ramayana, The World and the Individual, The Royce, etc. Le retour de cette nuit magique dans l'œuvre permet à cette idée de gagner en vigueur, de se canaliser et de se condenser en le seul livre des nuits qui enclôt la nuit magique. Le livre des nuits devient donc le livre par excellence qui fait perdre l'identité et la mémoire. La version d'Antoine Galland ne contient pas cette nuit magique. Ça n'empêche pas Borges de s'y référer dans son prologue en voyant le beau risque, dit-il, je le cite, le beau risque de tisser une histoire sans fin. Et si j'avais eu le temps d'aller un petit peu plus dans le détail, je vous aurais montré qu'il parle dans un premier temps de hermoso riesgo pour aboutir, qu'il parle dans un premier temps de curioso peligro, de cette nuit dans l'œuvre pour arriver à l'expression « el hermoso riesgo de urdir una historia sans fin ». Donc le beau risque, n'est-ce pas, de tisser une histoire sans fin, d'autant qu'il n'y a plus de troncature et que l'œuvre peut continuer à l'infini.
On peut donc dire que la nuit magique de Borges est l'orbe centrale d'une arabesque. Une arabesque, c'est une succession d'orbes, une succession d'anneaux, mais la nuit magique de Borges, c'est l'orbe centrale, une sorte de principe générateur de la série des anneaux et des emboîtements. Elle défie la narration linéaire qui fonde la culture judéo-chrétienne selon le principe d'un grand livre qui se déroule vers sa fin. À sa place, Borges offre des petits mondes clos de récits bâtis sur des énigmes essentielles de lecture et de littérature. Je reviens un instant au chant des sirènes. En parlant de la nuit magique, Borges n'est pas passé du chant au récit de ce chant, comme le dit Calvino. Bien au contraire, il a fait en sorte que le récit devienne le chant qui absorbe, qui abîme et qui fascine. Il en a fait le livre, avec un L majuscule, principe suprême, la littérature, cantatrice fabuleuse, monstrueuse, de récits infinis. Merci. Thank you very much, Professor Hélène Guerlastier. And I'm sorry for interrupting you, you know, I'm here to organize time. It was indeed a very, very insightful presentation, taking us back to Homer and his Iliad and Odyssey, and then to the 1001 Nights, the Arabian Night, of course, where the tale is a very seductive, but at the same time, enchanting, has an enchanting effect on the reader. This special night called the 602 night is a central night in the Borges narrative, in which he tries to symbolize the infinite nature of the night, but also the absent-mindedness of the tale-teller, and also the notion of forgetfulness. But at the end of all, it's actually the beauty of an open-ended tale. It's indeed an arabesque, and this is actually the beauty of Borges and how he tried to create some, let's say, overlappings between the Greek, Arab, but also Argentinian tale telling. Thank you very much. Now, je maintenant on se retourne vers notre collègue Bernard Urbani, qui est professeur émérite de littérature comparée à l'Université d'Avignon en France, et qui va nous parler dans sa communication de la trilogie borgésienne de Tahar Ben Jelloun, L'Enfant du Sable, La Nuit Sacrée, L'Auberge des Pauvres. Encore une fois, monsieur le professeur, 20 minutes vous sont accordées. Merci. Bon, merci, vous m'accordez. Je prends. Bien, avant de commencer ma communication, permettez-moi de remercier bien sûr les organisateurs, l'Université Molismaïl, le professeur Zora Alioui. Je me retrouve presque, passez-moi l'expression, en pays conquis, puisque je retrouve une région à laquelle je suis très attaché. Je dois parler 20 minutes, monsieur le président, donc permettez-moi de faire de cette trilogie borgésienne un duo. Je parlerai essentiellement de l'enfant de sable et de la nuit sacrée, l'auberge des pauvres étant un remake beaucoup plus souple de l'enfant de sable et de la nuit sacrée. Alors, dans la préface au recueil roman publié au Seuil en 2010, Tahar Ben Jelloun affirmait « Écrire, c'est aussi lire, lire des livres ou des visages, des corps intimidés ou des présences déguisées. Écrire, c'est voir, écouter, faire le tri, enregistrer, réviser, convoquer les mots entassés dans le grand hangar de la mémoire. Il s'agit de construire, parfois à partir de rien, mais la vie se dissimule derrière ces apparences qui nous trompent et qui, surtout, nous narguent. » Fin de citation. Lire des livres, donc, douter et écrire en réécrivant. Borges, dont l'originalité trouble est présente dans nombre de textes de Ben Jelloun, qui révèle un passé lié à l'oralité, aux rêves, aux idéaux, et un présent dysphorique lié à la corruption, à l'oppression,
à l'immigration. Dès 1970, dès l'apparition de son premier long poème, L'aube des dalles, jusqu'à L'insomnie, publié en 2019, les œuvres multiformes du célèbre écrivain marocain traduisent non seulement une vision sociopolitique, mais aussi et surtout une réflexion permanente sur l'écriture. Elles sont un témoignage mêlé d'histoires, souvent en dehors du réalisme, de récits qui suivent le processus magique, comme chez Borges, qui tourne délibérément le dos aux ressources du régionalisme et aux séductions de l'exotisme en ouvrant une brèche dans le réalisme romanesque, l'écriture benjeloulienne échappe au processus de causalité et l'art de la narration devient magique. C'est le cas notamment de sa trilogie borgésienne, entre tradition, modernité, postmodernisme, composée de L'enfant de sable, 1985, La nuit sacrée, 1987, L'auberge des pauvres, 1999, qui mêle toujours espace et temps, Eros et Thanatos, rêve, folie et réalité. Donc une trilogie, un ensemble qui est, je cite Benjeloun, comme une demeure pour des histoires qui se déroulent comme un vieux parchemin par une nuit d'été, où le lecteur est un voyageur arpentant des contrées étranges, ou du moins étrangères. En entrant dans cet espace, prenez votre temps, mettez-vous à l'aise et ouvrez doucement la première porte. Parfois le soleil est trop présent, la lumière est trop vive. Alors, habituez-vous à cette chaleur que diffusent des mots venus d'une autre durée. Fin de citation. Donc des mots provenant d'un immense hangar labyrinthe à la sortie de la ville. Quelle ville, on ne sait pas. Pourquoi pas Marrakech, Alexandrie, La Mecque, Buenos Aires, peu importe. Une bibliothèque gigantesque, synonyme de l'univers. Le monde est un livre, tout livre est le monde, mais le livre est aussi un labyrinthe, un cosmos caché, comme la bibliothèque circulaire du conte La bibliothèque de Babel, et comme celle souterraine de La nuit sacrée, qui contiennent tous les livres possibles et dont certains auteurs sont aveugles. Je vous lis un passage donc du hangar benjeloulien dans La nuit sacrée. Ce hangar était le dictionnaire de la ville. En poussant la porte, je me suis trouvé dans une cave immense. C'était la bibliothèque de la ville. Une femme d'un certain âge me dit « Je suis Risalat al-Ghufran, épître du pardon, un livre fondamental. J'ai été écrit en 1033 et mon créateur était né à Marad al-Mouman, en Syrie du Nord, dans la région d'Alep. Je suis un livre difficile où les morts dialoguent, où les contes sont réglés à coups de diatribes poétiques. Il y avait aussi une jeune fille qui récitait l'Ulysse de Joyce. Dans une pièce décorée à l'oriental, une dizaine de belles femmes habillées en Scheherazade se proposaient de raconter chacune une partie des mille et une nuits. Cette bibliothèque était une merveille. Il y avait aussi les jours de Taha Hussein et la comédie de Balzac. Fin de citation. Borges, écrivain polyglotte, grand critique, versus Benjeloun, écrivain marocain francophone, prix Goncourt, 1987. Comment ce relais scriptural s'inscrit-il dans les textes benjelouniens? Comment joue-t-il sur et avec les relations constitutives du texte, narrateur, personnage, auteur, livre, texte, lecteur? Les trois œuvres de Benjeloun révèlent plusieurs niveaux et se jouent d'emblée sur le terrain de l'intertextualité et de la citation. Ils représentent un immense espace labyrinthe, fait d'erreurs, nous allons le voir, de mensonges, d'inventions, symbolisant le monde, comme le confirme Red Charlac, le minotaure borgésien, de la mort et la boussole. Je cite ce passage de fiction. « Je sentais que le monde était un labyrinthe d'où il était impossible de s'enfuir. » Fin de citation. Dans L'enfant de sable, l'écrivain argentin
prend véritablement la parole. Homme de bibliothèque et de culture, il permet ainsi à Benjelloun de préciser ses moyens d'écriture, ses techniques interculturelles et intertextuelles et son utilisation originale du conte et des citations littéraires. En 1990, Benjelloun confiait à Denis Brahimi pour la revue Notre Librairie, je le cite, « Je ne connais Borges que pour l'avoir lu, mais il m'a apporté une grande liberté. Son utilisation du mensonge, notamment, m'a appris ce que peut être la liberté dans l'écriture. » Fin de citation. L'enfant de sable renvoie au livre de sable. En effet, c'est au chapitre 17 qu'apparaît l'écrivain aveugle, conteur et lecteur. Il s'adresse à Fatouma, la conteuse narratrice qui vient de faire le récit de sa propre vie, suggérant être en réalité Ahmed Zahra, le protagoniste, la protagoniste de La Nuit Sacrée et de L'Enfant de Sable. Je cite. Vous allez sans doute me demander qui je suis et pourquoi je débarque ainsi dans votre histoire. Sachez simplement que j'ai passé ma vie à falsifier ou altérer les histoires des autres. J'aime inventer mes souvenirs. Je viens d'un autre siècle, versé dans un conte pour un autre conte, et votre histoire, parce qu'elle n'est pas une traduction de la réalité, m'intéresse. Je suis le biographe de l'erreur et du mensonge. Fin de citation. On le sait, la huitième fille Hedj Ahmed a été éduquée dans le sexe opposé. Elle a appris donc à vivre des deux côtés du miroir, mais aussi dans le grand cahier où plus tard elle consignera tous ses secrets et qui après sa mort, ce grand cahier, passera de main en main. Grand cahier, journal intime où elle écrit, où elle a écrit, je fus une erreur et je n'ai jamais connu de la vie que les masques et les mensonges. Fin de citation. Ahmed Zahra est donc une erreur, soit, mais est-il, est-elle vraiment celui, celle qu'il croit être? Pour Borges, relu par Benjelloun, la réponse est non. On le sait, ces personnages de fiction ignorent souvent leur véritable identité. Ou bien ils ont des doubles, ou bien ils sont les doubles d'un autre personnage. Pris d'angoisse, dans le roman, Borges suggère ainsi que nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas ce que nous croyons être. D'emblée, l'enfant de sable prend l'allure d'un conte oriental, sorti des mille et une nuits, ça a été dit, redit, réécrit, imprégné de civilisation musulmane, raconté au public jour après jour, un livre donc infini qui met en abîme la lecture et la narration. Pas de vrais chapitres, mais une série de portes définies par le nom d'un jour, porte du jeudi, porte du vendredi, porte du samedi, Bab el-Had, porte des sables, qui s'ouvrent les unes après les autres sur un labyrinthe spatio-temporel, cher à Benjelloun et Borges. Comme dans les contes et les poèmes borgésiens, le lecteur, pris dans un immense jeu de miroir, n'échappe pas à la fascination et se perd dans une œuvre qui a pris pour sujet un immense dédale ourdi par les hommes et destiné à être déchiffré par les hommes. L'originalité de l'enfant de sable consiste dans le fait de savoir réunir tous les aspects de la tradition et de la culture maghrébine dans une symbiose avec des facteurs de la vie quotidienne et des problèmes qui touchent la société actuelle. Le récit romanesque est ainsi réintégré dans une pratique culturelle marocaine qui met en évidence la fonction communicative de l'acte de raconter dans l'interaction conteur-public et l'inscription de l'écriture benjelounienne dans le courant postmoderniste. L'originalité réside aussi dans la structure narrative de ce roman. En effet, l'histoire est entrecoupée d'intermèdes, où le conteur multiforme prend la parole sur la place où règne l'oralité imprévisible. Et dans cet espace, il raconte et fascine grâce à des formules incantatoires qui scandent le récit. Je cite, « Ami du bien,
sachez que nous sommes réunis par le secret du Verbe dans une rue circulaire, j'y reviendrai, peut-être sur un navire et pour une traversée dont je ne connais pas l'itinéraire. Vous avez choisi de m'écouter. Alors, suivez-moi jusqu'au bout, mais le bout de quoi? Les rues circulaires n'ont pas de bout. J'arrive la citation. Ben Jelloun, comme Borges, place la lecture au-dessus de l'écriture. L'enfant de sable est un piège tendu au lecteur, nouveau Thésée, qui doit se livrer à un véritable jeu de pistes s'il veut parvenir à comprendre, ce qui renvoie à la définition de Borges dans L'Immortel. Je lis le passage de L'Immortel. Un labyrinthe est une chose faite à dessein pour confondre les hommes. Fin de citation. Si le livre, c'est-à-dire la trilogie Ben Jelloun-ienne et les textes borgésiens, comme les livres, c'est-à-dire l'ensemble de la littérature, est un labyrinthe, cela signifie qu'au lieu d'adopter l'attitude passive, le lecteur doit chercher l'issue en parcourant tous les couloirs du livre. Dans L'Enfant de sable, le conteur, ivre de paroles, disparaît à un moment donné, dévoré par ses phrases, mais le texte, lui, dense, efficace et vertigineux, continue grâce à l'aide de trois nouveaux conteurs, Salem, Hamar et Fatouma, qui continuent l'histoire d'Ahmed Zahra, invitant le public à une participation active, agissant sur lui comme un psychodrame opérant une véritable catharsis. Finalement, à la fin du roman, on va dire, un troubadour biographe, aveugle, achève le récit en lisant au public le journal intime d'Ahmed, offert par une inconnue venant d'Alexandrie. Je cite. Je me suis mis à le raconter. Plus j'avançais, plus je m'enfonçais dans le puits. Mes personnages me quittaient. Jusqu'au jour où, profitant du nettoyage de la place, je pris la route du sud. Lorsque le livre fut vidé de ses écritures par la pleine lune, j'eus peur, mais ce fut les premiers signes de ma délivrance. Je dépose là devant vous le livre, l'encrier, les porte-plumes. Je m'en vais lire le Coran sur la tombe des morts. Fin de citation. Dans la nuit sacrée, un narrateur observe ce même conteur aveugle sur la même place circulaire. C'est une femme à présent qui va parler après avoir traversé indifférente les espaces, les temps, les mythes. Elle parle. Ami du bien, j'ai été un enfant à l'identité trouble et vacillante, vous retrouvez Zahra. J'ai tenu à rétablir les faits et à vous livrer le sujet gardé sous une pierre noire dans une maison au mur haut, au fond d'une ruelle fermée par 7 portes. Fin de citation. Le lecteur va la suivre à travers ses nombreuses péripéties jusqu'à son arrivée dans le sud, terre mythique et originelle où elle reçoit, entre guillemets, la lumière céleste purificatrice. On le sait, la voici au pays de l'amour infini, annoncée par la voix V majuscule, où elle retrouve dans un marabout son amant, le consul aveugle, devenu saint, dont la clarté absolue se reflète, comme dans le conte, l'approche d'Al-Mutasim sur les autres hommes. Y a-t-il vraiment ici une ligne de partage entre la réalité et le fantastique, ou bien les deux mondes s'interpénètrent-ils au point de n'en former qu'un, celui de la fiction benjaminienne? Sommes-nous dans un entre-deux où le réel est déréalisé et où l'étrangeté envahit tout? En effet, Ben Jelloun, comme Borges, marqué par son érudition philosophique et religieuse, se plaît à souligner l'ambiguïté de notre propre monde. Qui sommes-nous et dans quel réel vivons-nous? Dans L'Enfant de sable, Ben Jelloun fait dire à Borges, c'est Borges qui parle dans le roman de Ben Jelloun, « J'ai passé ma vie à falsifier ou altérer les histoires des autres. Je viens de loin, d'un autre siècle, versé dans un conte par un autre conte. » Fin de citation. Apparaît ensuite dans L'Enfant de sable la première citation borgésienne qui est mise entre guillemets. Ben Jelloun met cette première citation entre guillemets. Il s'agit tout simplement de la fin des ruines circulaires, poème en prose où tout est irréel et qui illustre le grand thème borgésien,
notre réalité n'est qu'un reflet, l'homme est un rêve de Dieu. Je ne vous dis pas, il a repris totalement, ça correspond au dernier paragraphe des ruines circulaires que vous trouvez dans l'Enfant Sable. La source n'est pas nommée, les guillemets y sont, la source n'est pas nommée, mais elle est identifiable. La citation est donc entre gloses, elle est au niveau de la diégèse, autocitation. Elle déplace la relation de l'auteur à son texte du chant de l'énonciation à celui du vécu. Mais le contenu de cette citation rend cette équivalence douteuse. Vivre peut signifier être une apparence qu'un autre est en train de rêver. Je cite l'enfant de sable. J'étais dans un livre, un de ces personnages pittoresques qui apparaissent au milieu d'un récit pour inquiéter le lecteur. J'étais peut-être un livre parmi les milliers serrés les uns contre les autres dans cette bibliothèque. Un livre, du moins tel que je le conçois, est un labyrinthe fait à dessein pour confondre les hommes avec l'intention de les perdre et de les ramener aux dimensions étroites de leur ambition. Fin de citation. Borges ne résout pas l'énigme. Au contraire, il la confirme. Il confond la chronologie de l'histoire en renversant l'ordre temporel et en fusionnant les lieux, Marrakech, Buenos Aires en particulier, et les niveaux fictionnels. Le récit des rencontres avec une femme mystérieuse, probablement arabe, en tout cas de culture islamique, se réfère aux Mille et une nuits, œuvre qui insère les contes dans d'autres contes, et notamment à l'histoire de Tawadoud, dont il prétend que la femme avait la voix. Donc, c'est un très long passage, on vous explique l'histoire de Tawadoud, je ne relis pas, je n'ai pas le temps. Ensuite, après cette histoire de Tawadoud, il oppose une vieille monnaie égyptienne que cette femme, toujours la même, arabe, lui donne au zaïre argentin, d'un des contes les plus célèbres de Borges. Je lis ce passage. « Je palpais la pièce. C'est un baptême de 50 centimes, monnaie rare qui a circulé pendant peu de temps en Égypte vers 1852. Le baptême que j'avais dans les doigts était bien usé. On en a parlé ce matin. Avec les doigts, j'essayais de reconstituer les effigies gravées sur l'avers de la face. La date d'émission, peut-être 1851, était en chiffres indiens, je n'ai jamais vraiment compris. » Fin de citation. Ce baptême est l'emblème de l'enfant de sable, puisque sur le côté, je cite, « sur le côté face, une figure d'homme avec une moustache fine, une chevelure longue et les yeux assez grands. Sur l'envers, le même dessin, sauf que l'homme n'a plus de moustache et qu'il a une apparence féminine. » Fin de citation. Le messager Borges éclaire le rapport avec le Zaïre et considère la pièce comme signe pour guider ses recherches. Oui. Il signale aussi, avec cette pièce de monnaie, un anneau de 7 clés pour ouvrir les 7 portes de la ville, symbolisant les 7 versions de l'histoire. Ensuite, une petite horloge sans aiguille, datant de 1851. Il y a un tapis de prière où est reproduit dans une trame vraiment désordonnée les nuits de noces de Coroès et Irine, miniature persane illustrant un manuscrit de Ramsay, œuvre du poète Nisani. Et le conteur a essayé de déchiffrer un ordre secret en relation avec les 7 portes, l'horloge, le zaïre, le tapis, mais il a vu. Je ne pense pas avoir trouvé le chemin du dénouement. Il y a aussi d'autres allusions dans l'enfant de sable et la nuit sacrée à Borges, notamment, je vais vite, allusion au personnage Stephen Albert, personnage principal du jardin de Borges. On en parle longuement dans le roman de Ben Jelloun. Il y a des allusions à l'Aleph avec les rues circulaires qui n'ont pas debout, avec les oppositions obscurité-lumière, avec l'apparition de l'initiale signature A, c'est le A sur le manuscrit d'Ahmed,
et par les premières lettres de l'alphabet arabe qui sont récitées, les premières, 1, 2, 3, 4, 5, récitées par la femme arabe. Et puis, je termine, rappelons que Ben Jelloun a construit l'Enfant de Sable en 19 chapitres, 19, un des nombres préférés de Borges, où apparaissent les thèmes du labyrinthe, miroir, quête de l'identité, liée au questionnement sur l'espace et le temps. Alors, je conclue, par l'intermédiaire de l'auteur de fiction et de la lettre, le romancier-conteur marocain nous offre un triptyque avec l'auberge des pauvres, bien évidemment, subtilement construit, qui utilise en le renouvelant tout l'arsenal du conte et de la fable, de la réalité qui fusionne avec l'imagination. De plus, il bouleverse les notions de temps, d'espace, la diégèse et la fiction mimésis, pour atteindre une sorte de circularité textuelle. Europe, Afrique, Amérique. En effet, c'est dans cet entre-deux hybride permanent, dans cette faille que réside la source de l'énergie et le moteur de son écriture. C'est de cette tension intertextuelle que naissent trois textes fascinants, témoignant en définitive d'une étonnante marocanité. Et c'est ce carrefour tragique qui donne sur le territoire de l'œuvre belgélounienne et qui permet d'accéder, malgré un passé impossible à évacuer, à une sorte de renaissance. Je vous remercie infiniment. Thank you very much, Professor Bailey, for respecting the time. You even saved 1 minute, which is indeed great. Briefly, Professor Bernard tried to show the similarities between the work of Jorge Luis Borges and Taha Majnun, and because the two writers share a lot in common. One of these commonalities between these two authors is how the word is reduced to a book or to a library. When you read, you are actually in a kind of a labyrinth, in a labyrinth-like space, where you see yourself in the mirror, but at the same time where you discover your identity. There are lots of references in Ben Jelloun's narrative to Borges, and of course the professor and the speaker referred to them. It could be the number 19, but it could be other names and characters. So thank you very much for your very insightful presentation. Now I move to the third speaker, Professor Amina Achour, qui est professeur et critique littéraire, et qui est aussi auteur d'un ouvrage intitulé « Quel est ton question ?». Et sa présentation est intitulée « Quel est ton et Borges, les hommes du livre ?». C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Ça va, Merci beaucoup. J'avoue que je ne suis pas gâtée entre deux grands spécialistes, Evangelia Sted et Bernard Urbani, qui sont de vrais spécialistes de Borges. Moi, je suis une lectrice, donc j'implore votre indulgence. Et je tiens d'abord à remercier, bien sûr, les organisateurs de ce colloque merveilleux, et tout particulièrement notre amie Zohra Al-Hiwi pour cette organisation exemplaire, vraiment, toujours avec le sourire, la bienveillance. Et surtout, je la remercie, elle me fait découvrir d'avoir accepté ma participation, et elle me fait découvrir de plus en plus Borges. Comme elle dit, quand on change, on n'est plus les mêmes, on ne sort pas indemne lorsqu'on lit Borges. Peut-être qu'il ne faut pas le lire jusqu'à la fin, comme les mille et une nuits. Et ma communication porte précisément sur le livre qui tue chez Borges et qui lit. En 2012, lors de l'hommage rendu à Adil Tsah Kilito par la faculté des lettres de Rabat, j'ai participé avec une contribution, une lecture politique de l'œuvre de Kilito, où j'ai consacré un paragraphe au danger de la parole et de l'écriture. Je voudrais continuer cette réflexion en mettant l'accent sur le thème du livre qui tue chez Borges et Kilito, en prenant en considération surtout les mille et une nuits.
bon, livre culte, on l'a entendu, infini, labyrinthique, souvent mis en abîme dans les écrits des deux auteurs. La parole écrite ou orale est synonyme de danger dans des situations où domine la persécution. Bidpai, l'auteur de Kalila Wadimna, recommande le silence. Je le cite, « Garde le silence, car là est ton salut. » Cette injonction ne pourrait s'appliquer à Shahrazade, qui doit puiser des comptes dans une source intarissable pour sauver sa vie et celle des femmes. Les mille et une nuits, bon, livre salvateur, guérit Shahrira de ses pulsions assassines et assure le salut de Shahrazade. Il peut en revanche perdre ses lecteurs. La meilleure preuve en est Dalman, le protagoniste de la nouvelle de Borges, Le Sud. Dalman possède la traduction allemande des nuits de Gustav Weil. Il est d'abord victime d'un accident. En escaladant précipitamment les escaliers, il est heurté au front par une arête de volet mal fermée. Le soir même, je cite, « la fièvre le ravagea et les illustrations des mille et une nuits servirent à illustrer ses cauchemars. » Fin de citation. Son esprit égaré, sous l'emprise des images, il perd complètement la notion du temps. 8 jours passèrent, aussi longs que 8 siècles. N'oublions pas la mise en garde de Kilito par rapport à l'image dans l'œil et l'aiguille. Je le cite, c'est comme si l'image avait besoin, pour compenser l'absence qui la constitue, de s'emparer insidieusement de l'esprit de celui qui la regarde, le privant ainsi de la faculté de distinguer le vrai et le faux et l'ombre de la réalité. Envoûtante, l'image séduit et égare. Fin de citation. Quelques correspondances entre Borges et Dalman ne nous laissent pas indifférents. Tous les deux ont travaillé dans une bibliothèque municipale et tous les deux ont subi une blessure à la tête. On le sait, vous le savez, que cet accident inspira cette nouvelle à Borges. Comment dès lors interpréter « En quelle langue devrais-je mourir ?» récit qui figure dans « Celui qu'on cherche » habite à côté, où Kilito rapporte que Borges, qui connaissait les auteurs arabes, souhaitait à la fin de sa vie apprendre sans doute leur langue. Il ajoute qu'il voulait l'apprendre afin de lire les nuits dans le texte. Je le cite, « Borges perd la vie quelques mois après avoir commencé à épeler l'alphabet arabe. Apprendre la langue des nuits et mourir. » Donc, ici, est-ce que c'est l'histoire qui copie la littérature ou c'est la littérature qui copie l'histoire? C'est l'histoire qui copie la littérature et c'est inconcevable. Alors, est-ce que Borges a prédit sa mort? En tout cas, curieux destin de Borges qui ressemble à celui de Dalman qui meurt après avoir entamé la lecture du premier volume des Nuits. Pourtant, celui-ci prétendait que son malheur avait été écarté. Je le cite, « Voyager avec un livre si étroitement lié à l'histoire de son malheur, pensait-il, était une affirmation que ce malheur était maintenant annulé et un défi joyeux et, secret, aux forces maintenant désappointées du mal. » Le lecteur est sceptique sur le sort du personnage et redoute les forces du mal qui rôdent autour de lui. Le même sentiment apparaît dans la nouvelle « La bibliothèque de Kilito ». Frappé par la curiosité interdite, un enfant fiévreux et sans force est intrigué par une porte toujours close dans l'appartement où il se trouve seul. Au moment où il approche son œil de la serrure, nous lisons, je cite, « qu'il a un brusque mouvement de recul, comme si une aiguille allait jaillir de la serrure et l'éborgner ». Fin de citation. Tout lecteur, un tant soit peu averti, pense alors à laisser l'œil et l'aiguille de Kilito consacrés aux mille et une nuits. Incapable de réfréner sa curiosité, l'enfant muni d'un escabeau revient au sanctuaire interdit, trébuche, lit-on, sur le seuil et se rattrape à temps.
de destin tourne autour d'un livre, réel ou rêvé, et l'intrusion de faits qui peuvent être considérés comme des présages dans les deux textes, loin d'arrêter la mécanique infernale, la déclenche et la crise s'amplifie graduellement jusqu'à l'issue fatale. L'enfant pénètre dans une bibliothèque d'un autre temps, au bureau massif, non seulement recouvert d'une poussière ancienne, mais je cite, sur lequel est posé un encrier, une plume d'oiseau et divers papiers. Fin de citation. Est-il en train d'halluciner ? Toujours est-il qu'il s'empare d'un livre hermétique qui ne veut pas lui livrer son contenu. Au moment où il décide de le remettre à sa place, il procède à un véritable duel, car, je cite, « la bibliothèque refuse le volume qui lui a été extorqué. Elle ne veut plus l'accueillir, l'admettre dans son sein. La lutte est inégale. » Fin de citation. Que peut un enfant chétif et malade face à des rangées de livres qui ont, je cite, « un air inquiétant, accusateur, rangé de soldats qui s'apprêtent à charger. » Fin de citation. Dans le sud d'Allemagne, convalescent, et presque au terme de son voyage, fait halte dans une boutique où il décide de dîner. Il reçoit des boulettes de mie de pain jetées de la table voisine. Il se réfugie dans la lecture des nuits pour faire fi de ses provocateurs éméchés. Mais le sort en a décidé autrement et la marche inexorable vers la catastrophe se déclenche. L'altercation se termine par un duel, comme vous le savez. L'issue de ce duel n'est pas explicite, mais tout laisse augurer sa mort, car la fin du texte nous dit qu'il, je cite, « empoigne avec fermeté le couteau qu'il ne saura sans doute pas manier et sort dans la plaine. » Fin de citation. Si d'une part, il ne sait qu'approximativement manier la dague livrée par le vieux gaucho, d'autre part, il pressent sa mort et ne ressent ni peur ni inquiétude. C'est plutôt pour lui une libération et une félicité. N'est-il pas aussi sous l'emprise de l'hallucination au point de sublimer sa mort, une mort à l'image de son ancêtre germanique dont il a choisi le lignage, je cite, « Il sentit que si alors il eût pu choisir ou rêver sa mort, celle-ci était la mort qu'il aurait choisie ou rêvée. » Fin de citation. Borges lui-même confiera à James Irby dans un entretien que tout ce qui arrive après la sortie de Dahlmann de l'hôpital peut être interprété comme une hallucination qu'il a avant de mourir de septicémie, comme une vision fantastique de la mort qu'il aurait souhaitée. Il aurait choisi une mort héroïque de cet ancêtre germanique dont il est séduit par le sang germanique, et plusieurs occurrences dans le texte nous renvoient au sang, à la couleur du sang. Sa propriété, elle était rouge carmin, la boutique, elle était d'un rouge vif, et puis la chauve-souris aussi, cette chauve-souris quand il monte les escaliers au début, et c'est un peu ambigu le symbole de la chauve-souris, c'est soit la mort parce qu'elle vit dans l'ombre, soit la renaissance, etc. Donc, ou bien se décharger d'un passé pour une renaissance, et lui on le voit quand il va vers le sud pour aller dans sa propriété, il fait aussi un voyage dans le passé pour peut-être une certaine renaissance. Donc la littérature ne découle-t-elle pas d'un délire fiévreux ? Voilà une bien étrange définition que nous proposent les deux auteurs. Toujours sous l'emprise de la maladie, l'enfant dans la bibliothèque essaie de chasser le sommeil qui s'appesantit sur ses paupières, mais en vain. Le seul remède est d'interrompre sa lecture. Une histoire passionnante, nous dit-on, et de se lever. Le texte reste silencieux sur le titre du livre. Selon Borges, la réalité aime les symétries et les légers anachronismes. Le narrateur de Dites-moi le songe prétend avoir lu petit Les mille et une nuits. Et dans le chapitre Ida à la fenêtre, un enfant malade, constamment plongé dans un sommeil comateux, lit-on, découvre tout près de lui un livre qui n'est autre que Les mille et une nuits laissé par une visiteuse mystérieuse. Je cite,
J'ignorais à l'époque que les passages érotiques en avaient été écartés. Mais la force des histoires était loin d'être entamée et leur côté scandaleux restait intact. Sinon, pourquoi sentais-je confusément que je ne devais pas les lire? Quand quelqu'un pénétrait dans la chambre, je le cachais sous les couvertures, surtout quand c'était mon père. Bien que l'édition de Beyrouth fût expurgée de ses passages érotiques, le narrateur ne peut vaincre un sentiment de culpabilité. Il doit se cacher pour lire, tout comme l'auteur argentin qui lisait les nuits en cachette sur le toit dans la version de Burton non épurée de ses obscénités. Le livre fascine au point vrai étymologique du terme. Il ensorcelle et la culpabilité a du mal à résister à la tentation. Outre les passages érotiques qui peuvent subvertir, les Arabes affirment que nul ne peut lire les mille et une nuits jusqu'à la fin sans subir un dommage quelconque. Or, il n'y a pas de fin, c'est un livre infini comme le temps, une sorte de livre de sable qui envoûte pour mieux égarer. Pourtant, l'enfant ajoute, je cite, qu'arrivé à la dernière page, il était complètement guéri. Mais aussitôt le narrateur adulte réfute cette thèse et avance le contraire. En fait, je n'aurais pas guéri. Je serais mort. Depuis un millénaire, ne répète-t-on qu'il ne faut pas lire les nuits ou n'en lire qu'une partie. Ceux qui n'ont pas suivi ce conseil l'ont payé très cher. Il est avéré qu'ils ont perdu la raison, ont mis fin à leur jour ou sont morts d'ennui, littéralement. S'agit-il du même enfant? L'enfant de Ida à la fenêtre ne cache-t-il pas l'enfant de la bibliothèque? Ne serait-il pas le double de l'enfant de la bibliothèque où la curiosité interdite est le moteur du récit? Au fur et à mesure que le récit se déroule, l'enfant accumule des impairs. C'est pas le conduire dans un endroit fermé interdit. Il a d'abord failli être éborgné. Ensuite, il trébuche. Et enfin, il vacille et tombe sur la tête. Tout comme Dalman, il n'a plus peur et sent un soulagement, une sorte de volupté. Je cite, « Il ressent une douleur, mais atténuée, sourde, presque voluptueuse, avec le sang qui coule. » Fin de citation. Aussi bien dans le sud que dans la bibliothèque, les limites entre rêve et réalité sont brouillées. La brièveté des textes qu'affectionnent les deux auteurs accentue l'intensité dramatique propice au rêve. Si la littérature occupe une place centrale dans leur vie, ils nous avertissent, non sans humour, qu'emprunter ces sentiers hasardeux et dangereux peut conduire à la mort ou à la folie, comme en atteste le célèbre passage du chant 5 de l'enfer que le narrateur de Dante, qui lit tout, le narrateur de Dante, livre de Quilito, une nouvelle de Quilito, un texte de Quilito, oui, avoue avoir connu à travers un commentaire nostalgique de Borges. En lisant le livre qui relate les amours de Lancelot et Guenièvre, Paolo et Francesca découvrent leur amour naissant, échangent le baiser funeste qui leur coûtera la vie. Ou encore Don Quichotte, personnage mythique qui a perdu la raison à cause de son obsession pour les livres de chevalerie. Il n'a pas laissé indifférents les deux auteurs. Dans Fiction, Borges titrera l'une de ses nouvelles Pierre Ménard, auteur du Quichotte, et Quilito, la nièce de Don Quichotte dans La querelle des images. S'il convient de dire que la référence à Borges dans les textes de Quilito occupe une place de choix, il ne serait dès lors pas étonnant d'affirmer que Borges, si Borges avait survécu, il aurait certainement enrichi sa bibliothèque avec les livres de Quilito. Et je vous remercie. Merci mille fois encore de respecter le temps. Thank you very much, Professor Amina Achour, for your presentation and for being very brief. In her presentation, Professor Amina Achour tried to tackle how some books or some tales can be killing. Indeed, in the work of Quilito or in the works of Borges, letters and words and tales can be killing, as they were killing in the Arabian Nights, and Shahrazad indeed tried to save her skin through words. Also, Borges died, as you said, a few weeks after trying to learn Arabic, and indeed Arabic is such, I would call it a killing language when you try to learn it, particularly if you're a non-speaker. But I think that the main argument that Professor Amina Achour was trying to explain is that literature is not only about dreams and delirium, but literature is about transformation. We get transformed when we read the works of great writers, and indeed these works take us to a different, let's say, space.
either in time, in matters of time or space. We are almost like killed, but actually we are given a new life. It's rebirth. Thank you very much again for your presentation. Now we will, of course, open the floor for discussion and for questions. So if anyone would like to raise a question, sorry, on va d'abord ouvrir la session donc, de discussion avant, bien sûr, la pause café. Si vous avez, bien sûr, des questions ou des commentaires, vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, le nom, comme ça, je... Ahmed, ok. Ahmed. S'il y a d'autres cinq. C'est Mohamed. Ok. Bien, donc on va commencer par les deux questions de Sehmet et Si Mohamed. Sehmet first. Je voudrais réagir au livre qui tue de. Et je vais rappeler que Kirito avait écrit une nouvelle il y a une bonne vingtaine d'années, c'était Le jeune homme et la femme. Et que cette nouvelle a été programmée en terminale dans le manuel scolaire de l'époque. Mais malheureusement, si le livre tue dans le conte, l'image du livre tue la nouvelle dans la nouvelle. Je m'explique. Le ministère de l'Éducation nationale ou ceux qui s'occupent du livre scolaire ont tronqué cette nouvelle à cause d'un paragraphe, paragraphe où il a été question du mannequin nu. Et ils ont privé nos apprenants de lire l'intégralité de l'excellente nouvelle de Kirito. Maintenant, je passe à l'enfant de Saad. Il a été question de verbe. Et j'ai cru entendre Babelhad traduit par Sut. C'était peut-être une fausse perception de ma part, mais je voudrais rappeler que le mot verbe, ça signifie aussi sorte de chapitre. Un nouveliste marocain, je pense à Feuzefzef, dans l'un de ses recueils de nouvelles, au lieu de chapitre, il mettait Bab. Bab la tiradat abahaut zawaj rahal. Ce chapitre de celle qui a tué son papa et a été épousé rahal. Et ainsi de suite. Alors le mot Bab al-had, le mot had, peut signifier le dimanche. Mais ça signifie également la limite, comme ça peut signifier les frontières à ne pas dépasser, le prohibé, l'interdit. Je vous remercie. Merci infiniment. C'est Mohamed, s'il vous plaît. Soyez, s'il vous plaît, bref, comme ça, bon. On peut passer à la deuxième. Une question. Partant d'un mot, on parle de l'opération de Paul Valéry, il y a des choses que l'on peut dire aux autres, et d'autres qu'on ne peut dire qu'à soi-même. N'est-il pas une manière de Borges de s'écrire soi-même, de se porter en égocentrique et en narcissique qui se laisse démasquer par une certaine volonté suicidaire de publier ce qu'il avait écrit pour lui-même? Et cela me fait penser à une femme, à l'asile de Marie-Jean de Rivra, qui répliqua à l'une de ses amies qui lui disait qu'elle est méchante et mal éduquée, celui qui est non. La réplique de l'autre était la suivante. Si tu me dis qu'il n'est pas bon de mentir, je demande à Allah de ne pas te laisser mentir quand tu auras vraiment besoin de mentir. Subitement, il y avait une interruption de lumière et il m'a dit, ah, demain, je à votre attention, comme si l'ombre empêchait la narration de continuer. Donc, bon, par conséquent, Borges est un grand et admirable menteur parce que la littérature est mensongère en termes de Jean-Paul Sartre. Qu'adviendrait-il donc de ses lecteurs, modèle en termes d'Umberto Eco, et Jean Cocteau n'avait-il pas dit vrai que, quand il a dit,
je suis le mensonge qui dit la vérité, et Mario Vargas Llosa n'avait-il pas dit vrai également quand il a écrit ces dernières années un monument de critique et d'homme littéraire, la vérité de la mentira, la vérité du mensonge. Une excellente théorie sur la lecture conclut le livre de Borges. Si vous ressentez un peu de gens dans le jeu de ce matin, aussi serions-nous engagés dans la folie et l'égarement d'un fou et d'un consacré de moment de notre vie. Merci. 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 C'était pas prévu. Alors, la parole est ouverte. Vous pouvez bien sûr intervenir, réagir comme vous voulez. Oui, la première question, elle concerne la censure. C'est juste un constat. Donc, c'est l'Éducation nationale qui a censuré le jeune homme et la femme parce que le mannequin, il y a un passage où le mannequin est nu. Ils auraient pu enlever juste la partie où le mannequin est nu. Et puis, de toute façon, voilà. Et puis, je ne sais pas. Les enfants, ils lisent les mille et une nuits, ils n'ont qu'à se cacher et lire le mannequin. Et de toute façon, quand on sont sur l'interdit, c'est toujours là où vers quoi on veut aller. Donc c'est vraiment ridicule, mais c'est comme ça même dans la nièce de Don Quichotte, dans La Querelle des images, c'est elle-même qui censure Don Quichotte en voulant brûler ses livres. Donc c'est quelque chose de très courant et partout. Voilà, donc ce que je peux dire sur ça. Ensuite, oui, le monsieur qui parlait de la littérature mensongère et tout ça, le mensonge, non, c'est des mensonges, c'est pour ça que c'est vrai, c'est pour ça que c'est bien, donc voilà, c'est tout. C'est ça la littérature, la fiction. Sinon, ça ne serait pas de la fiction. Est-ce que quelqu'un... Oui, moi je vais. Oui. Donc, je vous remercie pour vos précisions et vos traductions, mais moi je me réfère à la table des matières, et effectivement il est question de 19 portes, et dont une s'appelle Bab Halad, mais si je vais à la page 49, c'est Bab Halad 5, Dar Ben Jedoun écrit, Bab Halad c'est une porte minuscule, et il faut se baisser pour passer. Voilà, tout simplement. Mais je vous remercie pour... vos précisions et vos traductions. Bon, ben écoutez, merci infiniment. On va prendre une petite pause de 15-20 minutes et après on va entamer la deuxième session. 15 minutes, d'accord, merci. Il faut terminer un peu tôt. Parfait. Rebonjour. Donc on entame cette deuxième partie de la quatrième séance de ce colloque international sur l'œuvre de Borges. Et bien sûr cette fois c'est sur le monde arabe et surtout les auteurs marocains. On va commencer par le professeur Seloua Léophile, qui est professeur au département de langue et littérature française à la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat. Sa communication s'intitule Borges et Quirito, correspondance esthétique. Alors sans tarder, je vous donne la parole et je vous supplie de bien respecter les 20 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma communication s'intitule Borges et Quirito, correspondance esthétique. Je choisis de la démarrer avec une interrogation. Faut-il, quand on lit un livre, retenir, en plus de l'histoire, le nom de l'auteur ? Cette question de Tsarkilito qui se trouve dans l'avant-propos de l'auteur et ses doubles, paru en 1985 aux éditions du Seuil dans la collection poétique, aurait pu servir d'exergue à plus d'un texte de Borges. Pourtant, lorsque l'écrivain marocain rédige son ouvrage, consacré aux supercheries littéraires dans le corpus arabe, ouvrage devenu depuis un classique, celui-ci n'avait pas encore fait la connaissance de l'auteur argentin. C'est une lecture tardive de fiction qui fera in extremis découvrir à Quirito l'univers de Tlone et des Tloniens, et qui le résout, avant de boucler son manuscrit, à ajouter une note de bas de page qui renvoie à Tlone Ukba Orbis Vertius, cette nouvelle qui constitue pour de nombreux critiques une biographie de la pensée borgésienne.
par ce renvoi, Kilito signalait indirectement que l'utopie de Tone a quasiment été, par certains aspects, une réalité dans la littérature arabe ancienne. Autrement dit, les littérateurs arabes auraient été des Borgésiens avant l'heure. À la sortie du livre, on voit dans cette note l'indice de l'influence qu'aurait exercé l'écrivain argentin sur l'ensemble de l'ouvrage. Depuis cette date, Borges intègre la liste des auteurs anciens et modernes que Kilito fréquente assidûment. Je citerai Dante, Kafka, Cioran, Ovid, Dostoïevski, Ibn Hazm, Al-Jahez, Al-Ma'arri, Cervantes, Joyce, Melville. Des noms de la littérature universelle qui lui tiennent compagnie et qui ont, je cite, jusqu'à un certain point, façonné sa vision du monde. Mais si avec l'ensemble de ses écrivains, Kilito entretient une relation quasi obsessionnelle, qui se traduit formellement dans son œuvre par une hypertrophie de citations et un foisonnement de références livresques, le lien qui lie son œuvre à celle de l'écrivain argentin ne trahit pas seulement un exercice d'admiration, mais un ensemble de traits communs, au premier rang desquels nous plaçons la thématisation de la littérature. En effet, tout comme Borges, Kilito a su instaurer la bibliophilie comme condition à l'écriture. Mais le rôle premier de la littérature, dit-il, n'est-il pas de travailler sur elle-même, de faire d'elle-même son propre sujet ? Cette prééminence de la réflexion littéraire est d'autant plus importante qu'elle fait fi chez les deux auteurs de tout raisonnement d'ordre générique. Si les textes de Kilito, au mépris des conventions de genre, accordent systématiquement une place centrale à des problématiques liées à l'écriture ou à la lecture, l'œuvre borgésienne porte en abîme des pans entiers de la littérature universelle dans une sorte d'œcuménisme culturel qui permet, comme le dit si bien Jean-Pierre Bernès, de réconcilier les langues de Babel dans un réseau vertigineux d'interférences. Fin de citation. On parle donc d'une intertextualité des plus fécondes qui révèle chez les deux écrivains le même rejet de l'histoire littéraire. Ce parti pris qui désacralise l'ordre d'appartenance des écrivains à un siècle ou à un courant pourrait expliquer la prédilection de Borges et de Kilito pour les supercheries littéraires. Alors que l'auteur argentin fait réécrire le Quichotte à Pierre Ménard et écrire l'approche d'Al-Mu'tasim à un certain Mir Bahadur Ali, Bifter Kilito marque de sa propre empreinte le traitement des supercheries littéraires dans la fiction. Donc dites-moi le songe que d'aucuns qualifient de pendant fictionnel de l'auteur et ses doubles, l'imposture ne porte pas sur une œuvre fictionnelle, mais sur une thèse universitaire qui traite des mille et une nuits et qu'un certain Ismaël Kamlo aurait enregistré à la faculté sous la cote MD 1715. Les correspondances entre les deux écrivains ne s'arrêtent pas là. Nous pourrions évoquer dans le sillage de l'hybridité générique le même attrait pour les formes brèves. Des formes pourtant, préciserons-nous, où la digression a toute sa place. En matière de construction des personnages, nous pourrions également relever chez Borges et Kilito la même logique du flou, le même antipsychologisme, ainsi qu'un goût prononcé pour le générique et les interversions. Enfin, nous ne manquerons pas de souligner la prédilection des deux auteurs pour la répétition. Si chez Borges, cette figure inspirée du mythe de l'éternel retour de Nietzsche trouve sa plus belle illustration dans l'allégorie du labyrinthe et des duplications formelles et thématiques qu'elle induit, elle est l'indice chez Kilito d'une écriture circulaire qui produit immanquablement une impression de déjà-lu. Cette impression, dit-il, découle du fait que je revisite souvent les mêmes livres, les mêmes auteurs, à chaque fois cependant avec un éclairage nouveau. Fin de citation. Et Kilito de préciser, j'avais remarqué cette tendance chez Borges et chez Bakhtin, et je m'étais promis de ne pas tomber dans ce qui me semblait alors un travers, jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'on ne pouvait écrire qu'en se répétant. Fin de citation. À travers des autocitations, des reprises, des prolongements, voire même des appels au sens juridique du terme, les textes de Kilito entrent dans un jeu de duplication, de reprise et de résonance, soit les uns avec les autres, soit avec de grands textes de la littérature universelle. L'attrait exercé sur lui par l'œuvre de Borges le conduira non pas à reprendre ou à citer certains textes de ce dernier, mais à les réécrire.
Cette opération prend le plus souvent la forme d'une répétition créative qui consiste à exploiter les potentialités d'une idée, d'un commentaire ou à prolonger une réflexion. Ainsi, lorsque Kirito écrit La Punition, une nouvelle qui se trouve dans le cheval de Nietzsche, il entreprend certes de transposer dans la fiction des problématiques de la forgerie et du plagiat, longuement analysées dans L'Auteur et ses doubles, mais ce faisant, il rend également intelligible l'utopie de Claude. En effet, son personnage écrivain, qui venait de recevoir un exemplaire de son nouveau livre, n'insista point pour expliquer à sa fille que le volume qu'il lui présentait avait été créé par lui et non pas copié, comme elle l'imagine. Il préféra, nous dit le narrateur, la maintenir dans son innocence, dans ce monde magique où n'existe ni originalité, ni plagiat, ni forgerie, où tout texte est l'exacte reproduction d'un autre et où la marque personnelle se limite à la forme des caractères et aux inévitables fautes d'orthographe. Fin de citation. Derrière l'anecdotique se profile pour le lecteur averti l'esquisse de cette vision clonienne de la littérature qui devient, comme le dit si bien Gérard Genette, un espace homogène et réversible où les particularités individuelles et les préséances chronologiques n'ont pas cours. Dans l'Utopie littéraire, article que Genette consacre à Borges en 64, ce dernier met en avant ce sentiment écuménique qui fait de la littérature universelle une vaste création anonyme où chaque auteur n'est que l'incarnation fortuite d'un esprit intemporel et impersonnel. Fin de citation. Une vision qui peut très bien s'illustrer dans le phénomène de la métempsychose, tel que l'explique Kirito dans le chapitre « Métempsychose du poème » dont L'Auteur et ses doubles. La poésie, dit-il, est le nom d'une réincarnation continuelle, d'une métempsychose subtile. Tout poème départ-il à des vies antérieures dont le souvenir se perd, si bien que l'effort d'anamnèse ne ramène au jour que des bribes de matière qui ne rendent pas compte de la forme unique, irremplaçable et glorieuse du poème considéré. Fin de citation. Nous pourrions également méditer ce passage où Kirito explique que tout poème a une mémoire et qu'il importe que, au moment de la réception, cette mémoire soit pervertie, voilée, en sorte que l'auditeur ne reconnaisse que vaguement les 1001 poèmes qui soutiennent le poème qu'on lui récite. Fin de citation. C'est peut-être cette croyance selon laquelle un texte littéraire a plusieurs vies et la conviction que le temps des œuvres n'est pas le temps défini de l'écriture, mais le temps indéfini de la lecture, la phrase est de Genette. Donc c'est cette conviction qui fait réécrire à Kirito une conférence de Borges sur la Divine Comédie. À propos de ce titre phare de la littérature universelle qu'il a accompagné durant de nombreuses années, l'auteur argentin déclare « Je tiens cette œuvre pour le sommet de la littérature, de toutes les littératures. Il s'agit du fait qu'aucun livre ne m'a procuré des émotions esthétiques aussi intenses. » Fin de citation. À l'égard du lecteur potentiel, Borges signale que c'est un livre qu'il faut lire naïvement, la Divine Comédie. Il faut la lire naïvement avant d'entreprendre, d'en déchiffrer les allusions mythologiques. Si je l'ouvre demain, ajoute-t-il, j'y trouverai encore des choses qui m'avaient échappé. Lorsque Kirito reprend ce texte dans lequel Borges commente deux épisodes du chef-d'œuvre italien, il choisit contre toute attente le cadre générique de la fiction. Dans la nouvelle intitulée Dante, le personnage narrateur arrive plus tôt que prévu dans la maison de F, qui, prise de court, l'introduit sans explication dans le bureau. Premier clin d'œil à Borges, l'esprit du narrateur bifurque et chemine par des transpositions de cause à effet qui se divisent et se ramifient, se transformant ainsi en labyrinthe mental. De question en question, et là je précise que la nouvelle bat le record des interrogatives, le personnage envisage moult hypothèses pour tenter d'expliquer pourquoi on l'avait installé dans cette pièce, je cite, « comme un objet qu'on range ou qu'on dissimule à la hâte ». Coincé entre le canapé et la bibliothèque, il a alors tout le loisir de regarder de près la bibliothèque de F. Et c'est justement l'œuvre de Dante qui l'attire en premier. Le récit devient un prétexte pour l'analyse littéraire. Le narrateur déclare connaître seulement le passage au cinquième chant de l'enfer
qui rapporte l'histoire de Paolo et de Francesca. J'avoue, dit-il, ne le connaître qu'indirectement, à travers un commentaire nostalgique de Borges. Pour l'auteur argentin, le thème du cinquième chant de l'enfer est celui de deux êtres qui découvrent qu'ils s'aiment et qu'ils ne le savaient pas. Ce dernier nous explique que même si Paolo et Francesca ont été assassinés ensemble, ce n'est pas l'adultère qui intéresse Borges, qui intéresse Dante. Ce n'est pas, dit-il, de savoir comment les amants furent découverts et jugés. Ce qui intéresse Dante est plus intime. C'est de savoir comment ils surent qu'ils étaient amoureux, comment ils le devinrent, comment vient le temps des deux soupirs. Pour Quilito, cet épisode est une belle illustration du pouvoir de la littérature. C'est parce que Paolo et Francesca sont des lecteurs qu'ils entrent dans les arcanes de l'amour. Leur liaison est la conséquence inéluctable d'une lecture, nous dit le narrateur, pour donner écho au texte borgésien. Que je cite, donc c'est Borges qui parle, Francesca raconte qu'ils lisaient un jour, tous deux, pour se distraire, un livre sur Lancelot et ses tourments d'amour. Ils étaient seuls et ne se doutaient de rien. De quoi ne se doutaient-ils pas, s'interroge faussement Borges. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient épris l'un de l'autre. Ainsi F déclare-t-elle qu'ils rougissaient parfois, mais que vint un moment où, et là Borges ouvre les guillemets, c'est Francesca qui parle, quand nous lûmes le sourire, lire au passé simple, quand nous lûmes le sourire désiré, elle fut embrassée par cet amoureux. Cet homme, qui ne se séparera jamais de moi, me baisa sur la bouche. Fin de citation. Tout aussi subjugué par ce baiser, Quilito, quant à lui, choisit d'y revenir autrement. Voici ce qu'il fait dire à son narrateur. Un homme et une femme penchés sur le même livre. Tableau magique, scène troublante, redoutable. Ils doivent se surveiller, se contrôler, s'écarter pour ne pas se toucher, se rapprocher pour de nouveau marquer une distance, liée par un roman qui décrit le baiser accordé par la reine Guenièvre à Lancelot. Un roman qui invite donc au baiser, précise le personnage. Au-delà de cette histoire, Paolo et Francesca voient se profiler la leur. Ils lisent ce qu'ils doivent faire, inévitablement. Et le personnage de Quilito de renchérir avec une interrogation que l'auteur argentin n'a pas évoquée, mais que Quilito évoque, de Paolo ou de Francesca, qui faisait la lecture à l'autre, lui ou elle. Le lecteur a le droit à une série de conjectures destinées à élucider cette énigme qui ne semble pourtant pas avoir interpellé ni Dante ni Borges. Le narrateur qui tranche en faveur de la femme, c'est-à-dire le narrateur de Quilito, pense que c'est la femme qui lisait. Le narrateur qui tranche en faveur de la femme commettra cependant un impair en déclarant à F que c'est Francesca qui a embrassé Paolo en premier. Dans l'exercice des entretiens, Quilito déclare « J'ai, d'une certaine manière, soutenu par un commentaire lumineux de Borges, réécrit ce passage où il est question d'un baiser qui reste virtuel. » Moi, j'ai envie de poser la question à M. Quilito, pourquoi virtuel? Parce qu'il a véritablement eu lieu. Pourquoi virtuel? Dernier exemple de réécriture. Pour réécrire La quête d'Averroès, une nouvelle de l'Aleph, l'écrivain marocain a emprunté le canal de la fiction et plusieurs années plus tard, celui de l'essai. De la nouvelle intitulée Du balcon d'Averroès, parue dans Le cheval de Nietzsche, à ce chapitre de Les Arabes et l'art du récit, intitulé 24 heures dans la vie d'Averroès, l'exercice prend tantôt la forme d'un récit qui restitue un rêve mettant en scène le philosophe andalou, tantôt celle d'un commentaire rigoureux du texte borgésien. Je préfère me pencher sur le commentaire, faute de temps. Derrière le commentaire se cache derrière un titre romanesque qui est 24 heures dans la vie d'Averroès. On y retrouve le titre de Kafka, 24 heures dans la vie d'une femme. Si la critique a surtout vu dans La quête d'Averroès une fable théorique qui transforme une difficulté de traduction en problématique théorique et qui éclaire l'idée d'un réaménagement du système de genre, là je cite Marielle Massé dans Le genre littéraire, Quilito transcende cette lecture pour soulever des questions passées jusque-là inaperçues à la fois pour Ernest Renan et pour Borges lui-même. Je rappelle que chez les deux auteurs,
Tout part de l'idée que prisonnier d'une culture, sa propre culture, Averroès, qui ignore le théâtre, ne sait pas comment traduire les termes comédie et tragédie qu'il rencontre dans la poétique d'Aristote. Et il les rend donc par des vocables issus du système littéraire arabe, donc il les rend par panégyrique et satire. Un malentendu, dit Kilito, qui a empêché, selon certains, la rencontre avec la littérature grecque. Je ferme la citation. Fin de citation. C'est peut-être pour disculper le philosophe andalou de ce malentendu ô combien lourd de sens, de conséquences, que l'écrivain marocain poursuit. On sait qu'il ignorait le grec, il parle d'Averroès. On sait qu'il ignorait le grec, ainsi que le syriaque, dit-il. Or, c'est en syriaque que la poétique a d'abord été traduite, et à partir de cette langue, une version arabe en a été réalisée au Xe siècle. Comme le dit Borges, Averroès travaillait sur la traduction d'une traduction. Si c'est le cas, le philosophe de Cordoue a sous les yeux une version arabe. Comment est-il alors tombé sur les mots tragédia et comédia ? On s'attendrait plutôt qu'il trouve leur équivalent en arabe. La démonstration de Kilito ne s'arrête pas là. Je le cite, de là, une certaine incertitude dans le texte de Borges. Donc Kilito parle d'une incertitude dans le texte de Borges. On a l'impression qu'Averroès, qui ignore le grec, c'est Kilito qui parle, on a l'impression qu'Averroès, qui ignore le grec, travaille sur le texte grec de la poétique et qu'il lui incombe personnellement de trouver l'équivalent des deux mots douteux. C'est comme si la question de leur traduction s'est posée pour la première fois dans la culture arabe avec lui et qu'il avait donc la charge de les rendre en arabe. Fin de citation. Ces lignes suffisent pour semer le trouble dans l'esprit du lecteur averti. Et si Averroès n'y était pour rien dans ce rendez-vous raté avec le théâtre, dont pourtant les exégètes de la poétique le rendent responsable. Bientôt fini. Mais en invalidant un argument de taille de l'auteur argentin, Kilito fera vite de dissiper tout doute dans notre esprit. Reprenons ce que Borges a écrit. C'est Kilito qui parle. Il y parle comme un professeur. Reprenons ce que Borges a écrit, dit-il, à savoir qu'Averroès avait en vain compulsé les deux versions du Nestorien Hunayn ibn Ishaq et Abu Bachar Meta. Il sait, Borges dit Meta et Kilito dit Maka, mais là je cite Borges avec eux. Il s'agit selon toute apparence de la version arabe de la poétique. S'il en est ainsi, dit Kilito, Averroès n'avait pas besoin de se tourmenter pour trouver des équivalents en arabe de tragédia et de comédia. Il les aurait rencontrés chez les deux traducteurs. Donc déjà traduit. Fin de citation. Malgré l'usage du conditionnel, Kilito utilise le conditionnel, il les aurait rencontrés, Averroès. Malgré l'usage du conditionnel, l'argument de Kilito prend l'allure d'une preuve. Une preuve qui réhabilite le philosophe Courdouan et répare une injustice. Ce n'est donc pas Averroès qui a commis l'irréparable et privé les Arabes de la découverte du théâtre. En rétablissant cette vérité, Kilito donne, chemin faisant, une belle illustration du pouvoir de la réécriture qui transcende ici l'exercice de la répétition créative pour incarner davantage une opération ménardienne qui réconcilie avec brio lecture et écriture. Et je vous remercie. Merci mille fois, professeur Sorel Ophir. Et je me sentais coupable tout à l'heure de pouvoir me regarder comme si j'étais le bonbon. Mais là, j'exécute des ordres. Je ne vous donne pas d'ordre. Non, pas vous, mais bon, là, l'organisation. Alors, briefly, again, what's literature? Actually, your answer, and I think Professor Kilito and Borges' answer is actually literature, is writing about itself. In other words, it's a question of intertextuality. We do not only write, but we also repeat what others have already produced before us. In this, maybe Arabs were Borgesian before their time. And also, and here again, I quote Kilito, we write when we repeat ourselves. We write when we repeat ourselves. And here, repeating is actually a way of rewriting others. We do not repeat ourselves because we are stupid, but we repeat others because we are rewriting them. In other words, writing is circular. And this actually refers to the many
lives of the literary text. A text is never dead, but a text is always given new lives. It's a question of how to read it, how to rewrite it, and this of course could be the case of Ibn Rushd, but this could also be of Ibn Hazm, but this could also be of Borges or Quirito or your professor, Selwa. Thank you very much for this very brilliant presentation. Now I move to the... Maintenant je passe à, au deuxième intervenant, Professor Hans Frex. Is that, c'est ça? Yes. Hans Frex. Et Hans Frex va nous parler bien sûr en espagnol, je pense. El Oriente Real No Existe, Reflexiones Ideológicas en el Torno. Alors, Hans Frex est titulaire d'une licence de l'université Valparaiso et puis d'une maîtrise de l'université de Chili. Et là, bien sûr, je vous donne la parole et les 20 minutes, bien sûr, sont toujours sacrées. Merci. Bueno, buenas tardes, gracias a todos, a la comisión organizadora especialmente. Bueno, finalmente mi texto cambió su título levemente. Entonces se llama El Oriente Real No Existe, esta es una cita de Borges. En dos puntos, el orientalismo y post-orientalismo de Borges a partir de sus lecturas de Las Mil y Una Noches. Voy a presentar un resumen muy breve de lo que esto se trata, con tal de leer, ojalá, lo menos posible. Borges dedica dos textos a Las Mil y Una Noches. El primero está incluido en Historia de la Eternidad, de 1936, titulado Los traductores de Las Mil y Una Noches. Y el segundo es una conferencia del año 77, incluido en Siete Noches, que publica Borges en 1980. Lo que yo propongo no es muy novedoso, son cosas que ya han sido dichas. Lo primero es que en el primer ensayo del año 36 propongo yo que Borges lee Las Mil y Una Noches desde una interpretación muy similar a la que realiza Said en su obra Orientalismo del año 78. En este sentido, bueno, podemos considerar, creo yo, a Borges como un precursor de Said. Luego voy a explicar bien a qué me refiero con esto, que Borges sería un precursor de Said. Y bueno, en su segundo ensayo, esto lo señala Fidian en su libro del 2017, Postcolonial Borges, dice Fidian que en este segundo ensayo Borges se ubica en una posición post-orientalista, en el sentido en que Borges estaría hablando sobre distintas culturas desde una situación, estoy citando acá a Fidian, como un comentarista, como un metacomentarista de las culturas occidentales y orientales. Es decir, se mueve por distintas áreas de la literatura y la cultura nacionales, y principalmente, y esto es lo que yo creo que consiste en la importancia de Borges en este segundo ensayo, es que Borges señala que Occidente no existiría, por decirlo así, una dualidad entre Oriente y Occidente, dado que Occidente es heredero y deudor de la cultura de Oriente. Bueno, voy entonces a comentar un poco qué es lo que quiero presentar. Said define al orientalismo como una dimensión considerable de la cultura política e intelectual moderna, y como tal tiene menos que ver con Oriente que con nuestro mundo. Es decir, el orientalismo es un discurso que nace en Occidente y cuyo receptor es Occidente, es decir, Oriente queda silenciado. Por lo tanto, no es un sujeto, digamos, del discurso. Entonces, Occidente, de marca geográfica
y representativamente, imaginariamente, la esencia y el territorio de Oriente, produce un conocimiento sobre el Oriente que permite posteriormente colonizarlo, ¿no? Bueno, ahora lo que yo creo que es interesante analizar a Borges desde este punto de vista es que uno de los conceptos o estrategias que más bien utiliza Said en su análisis de su famoso libro es la localización estratégica del autor, que defino es la manera de describir la posición que el autor de un texto adopta con respecto al material oriental sobre el que escribe. Yo creo que la situación de Borges como un escritor de una nación postcolonial de lo que se denomina el tercer mundo es sumamente interesante respecto a lo que él lee y escribe sobre el Oriente, en el sentido en que se establece un diálogo sur-sur, ¿no? Ahora bien, todos sabemos esto, ¿no? La literatura que lee Borges es literatura principalmente europea, y dentro de la literatura europea, fundamentalmente es literatura inglesa, ¿no? Que es justamente uno de los grandes imperios que coloniza el Oriente. Ahora bien, para entender la localización estratégica de Borges, quiero presentar una distinción que es muy simple, pero que permite comprender el fenómeno de la interpretación de Borges, que es una distinción que realiza Samir Amin en su obra El Eurocentrismo del año 89, y él divide a todas las... Bueno, señala primero que todas las culturas tienen tres dimensiones, una política, económica y cultural. Ahora bien, desde el punto de vista económico, divide las sociedades en dos tipos, las tributarias y las capitalistas. La sociedad tributaria está ordenada políticamente en una división de castas y la economía se subordina a ella por medio del tributo o el impuesto, y la finalidad es simplemente la mantención de las castas sociales. La sociedad capitalista, en cambio, se organiza económicamente, es decir, subordina el poder político a la dimensión económica con la finalidad de acumular el capital que ostenta la clase que es dueña de los medios de producción, es decir, la burguesía. Y esto lo trabajó principalmente Marx, ¿no? Ahora bien, desde un punto de vista cultural, las sociedades tributarias se caracterizan por la persecución de un conocimiento metafísico trascendente que es totalitario. Abarca, digamos, la totalidad del cosmos o del universo. En cambio, las sociedades capitalistas promueven un conocimiento positivo que siempre es parcial y por lo tanto es empírico y no puede ser por lo mismo total. Es decir, se promueve la especialización del conocimiento y la división del trabajo para optimizar o maximizar las ganancias del capital. Ahora bien, Samir Amin introduce otra distinción que permite entender la dinámica entre el centro y la periferia desde un punto de vista político y económico a su vez, porque en la sociedad tributaria el eje del desarrollo o la distribución centro-periferia está determinada políticamente, mientras que en la sociedad capitalista está determinada económicamente. ¿Qué es lo que nos permite entender esto? Es que en la sociedad, en la Argentina postcolonial en la que vive Borges, si bien es un país independiente, como ocurre en todos los países de Latinoamérica, si bien estas naciones logran independizarse del imperio español,
nunca logran, por otro lado, desarrollarse económicamente y por lo tanto siguen siendo dependientes de las grandes potencias europeas. Es decir, sin ser estas sociedades periféricas totalmente tributarias, pues dependen del intercambio con las grandes metrópolis europeas, tampoco son totalmente capitalistas, pues aunque se organizan en función de la demanda internacional, mantienen en su interior un orden político bastante rígido, donde priman las relaciones sanguíneas de parentesco. Y esto en Borges a mí me parece que es fundamental, porque él le dedica un poema a su bisabuelo materno y a ambos abuelos maternos y paternos que pelean, ¿no?, en la guerra de independencia y en la revolución de Mitre, su abuelo paterno. Y por último, le dedica a Borges sus obras completas a su madre. Estos gestos me parece a mí que son relevantes a la hora de situar desde qué lugar escribe Borges, porque él pertenece a una casta, que es la oligarquía criolla. Y yo creo que esto siempre hay que tenerlo presente cuando uno lee a Borges. En fin. Ahora, desde el punto de vista cultural, Borges está obsesionado completamente con la metafísica que lee y sobre la que escribe en todos sus ensayos y cuentos, incluso en sus poemas. Y él está, yo creo, eventualmente no obsesionado, pero sí tiene una fijación con la ficción de la totalidad, ¿no? Si uno recuerda, por ejemplo, cuentos como El Aleph o La Biblioteca de Babel o La Escritura del Dios, son cuentos en donde se refleja este residuo aristocrático o criollo que provienen de la clase, de su clase originaria, ¿no? Bien. Hay otro concepto que utiliza Sadid en el análisis de su famoso libro, que es la formación estratégica, que la define como una forma de analizar las relaciones entre los textos y el modo en que los grupos de textos, los tipos e incluso los géneros de textos adquieren entidad, densidad y poder referencial entre ellos mismos y más tarde dentro de la cultura. Bien, Ian Almond ha estudiado bastante bien la formación estratégica desde la que habla Borges, en el sentido en que dice Almond, se inserta Borges, estoy citando, en el sentido negativo y positivo que Said aplicó al concepto de orientalismo, es decir, hay una completa continuidad entre el orientalismo desarrollado en Europa y el que produce Borges desde la Argentina. Respecto a las fuentes que utiliza el escritor porteño, Almond señala: raramente Borges se aventura a hacer una observación sobre Oriente sin citar a un experto en el tema, real o ficticio. Hasta ahí Almond. En este sentido, es completamente dependiente del orientalismo europeo para la elaboración de sus ensayos y ficciones. La educación europea que recibió entre 1914 y 1921, tradición propia de las oligarquías criollas, le permitió aprender francés, alemán y latín y disponer como consecuencia de un amplio espectro de fuentes. Bueno, todos sabemos además que Borges a los 5 años ya hablaba perfectamente inglés, sabía inglés desde la cuna. Bien, pasando entonces al ensayo de los traductores de Mil y Una Noches, él se divide en tres partes. El primero se denomina El Capitán Barton, donde analiza la primera traducción de Galland, luego la de Lane, y termina con Barton, y luego vienen dos capítulos dedicados a Marlus y Enno Liebman, respectivamente. Una característica que llama la atención de esta primera parte del ensayo es la interpolación que realiza Borges de otro texto, que son las versiones homéricas, que Borges copia textualmente, que es sobre la hermosa discusión Newman-Arnold, ¿no?, donde el primero defiende la versión literal de la traducción y Arnold la interpretativa, ambas por igual imposibles, según Borges. Entonces,
Galán seguirá la interpretación, seguirá la traducción, el modelo de traducción interpretativa. Y esto es muy relevante, yo creo, para Borges, porque el mismo Galán inserta dentro de su traducción de Las Mil y Una Noches cuentos de su propia factura, como la historia de Aladino. Y esto para Borges va a ser muy productivo dentro de su obra literaria posterior. Lane, por su parte, purga el texto, persigue las escenas de connotación sexual como un inquisidor, dice Borges, y trata de ser lo más fiel al texto posible. Y por último viene Barton, que compite contra Galán y contra Lane, es decir, se establece una tradición de divergencia entre estos tres traductores. Y por último, Barton escribe, citando a Said, desde el punto de vista de la formación estratégica, compite contra Lane con la finalidad de ser el mayor orientalista de la época, ¿no?, teniendo en consideración a los lectores ingleses del siglo XIX. Bien, en síntesis, este primer apartado del ensayo ilustra la discusión Newman-Arnold que siguen Galán y Lane, establece la divergencia como patrón en esta tradición de traductores, expone cómo funciona el orientalismo según la traducción de Galán al orientalizar el libro, y por último esboza ya cómo funciona la formación estratégica en el sentido en que Barton compite contra Lane con la finalidad de posicionarse en el campo orientalista dentro de lo que son los lectores ingleses del siglo XIX. Las traducciones de Marduk al francés y Littmann al alemán le permiten al autor de ficciones ahondar en sus tesis orientalistas. Marduk, en esta línea, y no satisfecho con la falta de color oriental de Las Noches, las orientaliza a diestra y siniestra. Aunque es la más legible de todas, presenta grietas que vienen de la intromisión de la lengua francesa en su obra. Cito a Borges, otra pequeña grieta, desvíos encantadores no es árabe, es notoriamente francés. Fin de la cita. Lo que Borges llama en la versión de Marduk, grieta, a saber, la intromisión de una expresión que reconoce como francesa, se transforma en reproche en la versión de Littmann. El parco y probo espíritu alemán está plasmado en la traducción de Littmann, quien es lúcido, legible, mediocre. Y conforme con el resultado, señala Borges que el comercio de Las Noches y de Alemania debió producir algo más. Y acá Borges cita a Kafka especialmente, ¿no? Se pregunta él qué es lo que habría hecho Kafka si es que hubiera tenido que traducir una noche. La educación europea de Borges, complementada con su afán ocioso y divagador, le permite transitar por un sinnúmero de lenguas y traducciones, ejercicio que se opone a la del filólogo profesional, disciplina que nace en pleno romanticismo al amparo del proyecto ideológico burgués de justificar la supremacía cultural de las lenguas indoeuropeas, que compulsa las fuentes como criterio positivo de validación científica. La crítica del conjunto de traducciones sin referencia empírica alguna al original es consecuencia de su idealismo literario, conservando en esta operación la impronta de su clase social, que difiere del análisis positivista del filólogo promovido por la burguesía imperial. Bien, yo creo que para simplemente sintetizar, el hecho de que Borges, hay una diferencia radical entre las versiones homéricas y este ensayo de los traductores de Las Mil y Una Noches. En las versiones homéricas, si bien Borges compara diversas traducciones al inglés del texto de Homero, todas estas traducciones son traducciones inglesas de un texto griego. En cambio, en este segundo ensayo, los traductores de Las Mil y Una Noches, circula Borges por tres idiomas, que son el inglés, el francés y el alemán, sobre
un texto que proviene no de la cultura occidental, sino oriental. La no referencia al texto original, lo que Borges llama en algún momento una feliz ignorancia, yo creo que conserva o es producto de su idealismo literario que proviene justamente de sus condiciones de clase, que es la oligarquía nacional criolla. Bueno, yo creo que eso sería, digamos, para no alargarme más. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Merci infiniment, professeur Hans Rex, de partager avec nous vos réflexions sur l'orientalisme, sur l'Orient, s'il existe ou s'il n'existe pas, ou s'il est juste un imaginaire créé par l'Occident, comme l'œuvre de Edward Said l'a bien démontré. On passe maintenant au professeur Abdullah Ramli, qui est professeur et chercheur au département de langue et littérature française à la faculté de lettres et sciences humaines à Qanitra. L'intitulé de sa communication, L'enfant de sable de Tahal-Bajjul ou l'univers borgien transposé. C'est à vous la parole, monsieur. Merci, monsieur le président. D'abord, un mot de remerciement. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure dans ta intervention de ce matin. Tu as passé une aventure de plus d'une vingtaine d'années dans la promotion de cette œuvre auprès de tes étudiants. J'imagine que ce que tu as oublié de dire aussi, c'est que tu contribues à le même engagement de le faire auprès des collègues aussi. La preuve, c'est que là, autour, dans cet événement, il y a aussi bien des initiés, de grands lecteurs de l'œuvre borgienne, mais aussi ceux qui font leur premier pas dans cet texte. Merci Zora. Alors, j'envoie le pas à M. Urbani, parce que nous travaillons sur le même texte. M. Urbani a étendu son exploration de l'œuvre de Benjeloun à trois textes. Mon propos se limite à l'œuvre de l'enfant de sable, où j'essaie d'examiner le rapport intertextuel entre le roman et l'œuvre borgienne. Roman ambigu, l'enfant de sable de Tahar Benjeloun est d'une manière incontestable. Cette ambiguïté est inscrite aussi bien dans l'inextricable lien que détient la forme romanesque au conte oral, où l'on assiste à une théâtralisation répétée de l'histoire d'un personnage « transfuge » appelé à la fois Ahmed et Zara, que dans l'énonciation carnavalesque qui en découle et qui confond personnage, conteur et liseur. Une telle variété narrative et énonciative semble refléter l'image de ce grand théâtre qu'est la place publique, où les rôles des acteurs sont susceptibles de toutes sortes de permutations. Le conteur qui peut disparaître et réapparaître sans que le fil de la narration soit rompu, le personnage Fatoma qui tantôt écoute sa propre histoire, tantôt la narre elle-même. Enfin, le journal dont l'existence semble douteuse à force de servir consécutivement à des conteurs multiples. Tout semble naître et retourner au même point, comme si Benjeloun construisait une configuration énigmatique dont le but n'est pas tant la génération de variantes narratives d'une histoire, mais bien la volonté de donner à l'écriture une allure spéculative, où l'objet du roman se dit par les allusions et les retours incessants, et non par une nomination directe. Cette facture énigmatique du roman se vérifie en effet au chapitre 17 et 18, lorsqu'à la chaîne des conteurs s'ajoute celui que Benjeloun appelle le troubadour à deux. Grand, mince, et portant canne, lunettes noires et costume sombre, l'énigmatique conteur n'est autre que l'écrivain argentin Georges-Louis Borges. Comparé aux autres conteurs, il est le seul à sentir le besoin de s'identifier, car venu, dit-il, d'un autre siècle, venu d'un pays lointain et presque inconnu. Il s'impose à l'histoire de manière dérangeante et surprenante, en convoquant simultanément un monde fictionnel tout aussi mystérieux que le premier. Et c'est ainsi que d'une énigme à l'autre, l'on est mis devant une troisième énigme, celle de la rencontre elle-même du roman de Benjeloun à l'œuvre de Borges. C'est cette coprésence des deux univers qui suscitera notre attention dans cette étude,
en s'interrogeant d'abord sur l'insertion elle-même et sur la manière, puis sur le dialogue qu'instaure cette fiction avec Benjeloun et Borges, et puis sur les finalités, sinon les intentions scripturales qui motivent cette insertion. Borges, l'homme et l'œuvre, dans l'enfant de ça. La présence de Borges dans le roman de Benjeloun fait partie d'une intertextualité explicite. Si son nom n'est pas pour autant dévoilé, le portrait qu'on donne de sa personne, ainsi que les différentes citations tirées de son œuvre, le disent assez franchement. La résonance des titres entre l'enfant de sable de Benjeloun et le livre de sable de Borges est déjà un premier indice. Cette intertextualité renferme d'abord d'abondantes données biographiques. Le troubadour aveugle se présente en ces termes. J'ai passé ma vie à falsifier ou altérer des histoires des autres. Benjeloun reprend en le modifiant légèrement le même propos qui a servi à Borges pour présenter son œuvre de fiction que nous pouvons lire dans Histoire universelle de l'infamie. J'étais, dit-il, un jeune homme timide qui n'osait pas écrire des histoires et qui s'amusait tellement à falsifier et à déformer les récits des autres. Ce témoignage cautionne en fait une présence ambiguë de Borges dans le roman. Il est à la fois l'homme réel qui évoque sa vie et l'écrivain qui renoue avec ses propres techniques narratives connues du lecteur. Le thème de la falsification serait ainsi le prétexte trouvé pour le lier à l'histoire d'Akhazara, tournant elle-même autour du mensonge. La phrase suivante le dit bien. Quand je lis un livre, je m'installe dedans. C'est mon défaut. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un falsificateur. La confusion délibérée entre réalité et fiction double la présence de Borges du même coup d'un statut de lecteur, car on peut supposer ici que le journal qui a servi à tous les conteurs est passé aussi aux mains du troubadour. De cette manière mêlée, brouillant les repères du temps et confondant le réel et la fiction, d'autres échos de la vie et des propos de Borges sont dispatchés dans les deux chapitres. L'amour du troubadour pour sa ville Buenos Aires, qu'il confond avec d'autres villes, Marrakech, Cordoue, Tétouan, Fès, ses commentaires sur la cécité qu'on peut textuellement lire dans son essai à cette nuit, le cauchemar d'une femme qui le hante depuis le temps où il était directeur de la bibliothèque de Buenos Aires, ses voyages fréquents, et ainsi de suite. Tout cela aurait permis d'installer l'homme et son œuvre dans le roman. La fouille de Benjeloun dans l'œuvre de Borges s'adapte par ailleurs au contexte du roman. Les citations insérées ont alors une double référentialité. Ils renvoient aussi bien au texte de Borges qu'à l'histoire du roman. Rien de plus évident que de rencontrer ici le mot « secret » auquel le lecteur de Borges s'est habitué. Le mot est aussi bien une entrée en matière pour le conteur en titre du roman que pour le troubadour qui entame sa narration ainsi. Le secret est sacré, mais il n'en est pas moins un peu ridicule. Mais à quel secret a-t-on affaire ici? À plusieurs, à vrai dire. Le premier est sans doute le secret d'Akhazara caché à tout le monde, mais aussi celui du livre qui émigre mystérieusement d'une main à une autre, celui de l'alter ego qui correspond avec Akhazara, celui du troubadour dont l'identité est inconnue par le public, celui aussi de toutes les présences féminines qui hantent ses rêves et ses cauchemars. Le mot a donc une portée extensive, a des réalités multiples, au point d'amener le troubadour à en abuser à son tour. Il le voit successivement dans le baptême, cette monnaie ancienne reçue d'une main de femme inconnue dont Madame Poulery avait parlé ce matin, dont le minotaure sacrifié une nuit sans lune dans l'image d'une femme que ses yeux entrevoient dans leur brume lumineuse. On l'aura compris, ce glissement d'un secret à un autre est une errance volontaire dans l'œuvre de Borges, car chaque secret équivaut au souvenir d'un livre, dont le troubadour présente comme un labyrinthe fait à dessein pour confondre les hommes. Les nouvelles d'Aleph et de fiction notamment trouvent ici droit de cité. La demeure d'Astérion, le Zaïr, l'Aleph, les ruines circulaires, le jardin des sentiers qui bifurquent, la secte du phénix. Mais Borges est-il pour autant identifié par son public? Le trait d'intelligence que l'on peut attribuer à cette insertion de l'œuvre et qu'après toutes ces citations, le troubadour repart comme une énigme ou comme une figure énigmatique, tissée, en fin de compte, à sa propre narration, devenue personnage parmi les personnages, et qui ne demande qu'à se retirer à son tour.
N'est-il pas cela le vœu formulé par ces deux vers qu'il attribue à Al-Mu'tadir Al-Maghribi ? Je cite, « Est-il possible que moi, sujet de Yacoub Al-Mansour, comme dur mourir Aristote et les roses, je me ramène ?» Benjeloun ne fait-il pas ici disparaître le troubadour parce qu'il a lui-même touché au ridicule ? Ne craint-il pas aussi qu'il se démasque ? À vrai dire, la perspective de la disparition a été envisagée depuis l'entrée en scène du troubadour, car c'était lui-même qui disait « Quand le secret devient ridicule, il vaut mieux s'en débarrasser. » Mais elle a fallu l'entremise de sa narration pour que tout cela se produise. L'idée se précise mieux en réexaminant la citation qui est servie à Benjeloun et que nous pouvons lire dans la secte du Phénix. Le secret est sacré, mais il n'en est pas moins un peu ridicule. L'exercice est en est furtif et même clandestin. Et ses adeptes n'en parlent pas. Faire taire le troubadour, c'est l'empêcher particulièrement d'annuler l'effet de la mise en scène énigmatique tissée autour d'Ahmad Zorak. C'est aussi ériger le récit du troubadour comme un miroir omnibulé réfléchissant non l'énigme du roman, mais bien la langue et les stratégies d'écriture qui ont servi à la construire. Cette réflexion, notons-le, est mutuelle, car de part et d'autre, les échos retentissent, faisant entrelacer l'histoire d'Ahmad Zorak et le récit du troubadour. Deuxième point, les interférences, justement, entre les deux corps potentes du roman. Avec le retrait du troubadour, l'écriture de Borges recouvre par la même cette voie. Le troubadour était devenu, dit-il, versé dans un conte par un autre. Il était devenu une image après avoir donné naissance à d'autres images. Un mensonge après avoir entretenu lui-même le mensonge. Mais que reste-t-il de lui dans l'univers borgien demeure inaliénable, la figure de l'autre ou du double, et qui est le point d'appui à la narration et qui permet au récit de se générer indéfiniment. Je vous renvoie ici à une des nouvelles de Malef, plutôt du livre de Sable, intitulé justement L'autre. Le troubadour le reconnaît lui-même. Je suis cet autre qui a traversé un pays sur une passerelle reliant deux rêves. De même dans le roman, Ahmad Azhara a son alter ego, avec lequel il correspond et qui est comme lui, aussi bien personnage que narrateur. C'est dans ce contexte que la citation puisée par Benjeloun dans la nouvelle des ruines circulaires trouve tout son sens. Elle renvoie le lecteur à ce magicien qui cultivait le vœu de donner vie à un homme dans son rêve. Il y est parvenu, en effet, mais pour découvrir des années plus tard qu'il était lui-même le rêve d'un autre. Il ne pouvait s'en convaincre qu'une fois que le feu qui s'en prenait à lui ne pouvait le brûler. Je cite, « Dans une ombre sans oiseau, le magicien vit fendre sur les murs l'incendie concentrique. Un instant, il pensa se réfugier dans les eaux, mais il comprit aussitôt que la mort venait couronner sa vieillesse et l'absoudre de ses travaux. Il marcha sur les lambeaux de feu, ceux-ci ne mordirent pas sa chair, ils le caressèrent, et l'inondèrent sans chaleur et sans combustion. Avec soulagement, avec humiliation, avec terreur, il comprit qu'il était lui aussi une apparence, qu'un autre était en train de le revêtir. Cette même image retrouve en effet son parfait écho dans un passage antérieur du roman, où le conteur en titre déclare à l'auditoire « Compagnon, la scène est en papier. L'histoire que je vous conte est un vieux papier d'emballage. Il suffirait d'une allumette, une torche, pour nous renvoyer au néant à la veille de notre première rencontre. Le même feu brûlerait les portes et les jours. Seul, notre personnage serait seul. Lui seul saurait trouver dans le tas de cendres un abri, un refuge et la suite de notre histoire. » C'est dire par là que même lorsqu'il est déclaré mort, le troubadour ne l'est pas réellement. Condition du phénix oblige. Le roman de Benjeloun joue justement de manière délibérée sur cette ambiguïté en faisant disparaître le premier conteur dont on dit qu'il a été trouvé mort et le ressuscitant à la fin du roman. Les lois de la nature n'ont pas de prise sur cette mise à mort, ni même d'ailleurs celle de la logique. Nous pouvons même considérer la multiplicité des conteurs qui prennent successivement le relais de la narration comme autant de doubles du conteur premier. Ils sont tous liés à Ahmad Zahra, soit par un lien de filiation,
soit ils sont des, ont été des témoins très proches de l'histoire du personnage, soit c'est Ahmed Zahra lui-même apparaissant sous un autre nom, Fatouma. Ce n'est donc pas un hasard si le même ou la même Fatouma retrouve sa réplique dans le récit du troubadour incarné dans la voix, et plutôt dans la femme à la voix d'homme. Dans l'autre élément de son univers, celui de Borges, il est clair que Ben Jelloun pousse ses créatures romanesques vers un même destin de miroitement infini et parvient à son tour à construire son propre labyrinthe sculptural. Les voies de l'histoire, qui sont habituellement réduites, sinon orientées dans un sens unique, s'étoilent avec cette myriade de narrateurs en plusieurs versions dont aucune d'elles ne paraît tout à fait achevée. Ben Jelloun ne pousse-t-il pas le troubadour à reconnaître qu'au lieu d'une intrigue, il a droit à une énigme? Bien évidemment, l'énigme de cette configuration narrative qui ne cesse de relater la fin de l'histoire d'Ahmed Zahra est l'équivalent, chez Borges, d'une immense parabole entre le thème et le temps. Les jardins au sentier qui bifurquent, que Ben Jelloun cite à maintes reprises dans son roman, en donne une description claire. Je cite, « Dans toutes les fictions, chaque fois que diverses possibilités se présentent, l'homme adopte une et élimine les autres. Dans la fiction du presque inextricable Tu peines, c'est l'auteur du livre du labyrinthe du temps, il les adopte toutes simultanément. Il crée ainsi divers avenirs, divers temps, qui prolifèrent aussi et qui bifurquent. De là, les contradictions du roman. Dans les quelques interférences relevées, Ben Jelloun semble avoir plaqué carrément l'univers borgien sur son écriture de l'enfant de sable. Il s'adonne ad libitum à une écriture palimpseste. Le dédoublement des conteurs et des personnages, l'interminable histoire qu'on raconte, le mélange du texte et du hors-texte, l'ambiance du mensonge où vit Ahmed Zahra, les détails nombreux renvoyant au Minotaure et à sa passion pour la solitude, les miroirs, les livres et la quête identitaire, et jusqu'à l'adoption d'une écriture miroitante variant constamment ses timbres en mêlant un style oralisé aux tonalités réalistes, fantastiques, tragiques et mystiques. Le romancier, dans ce sens, se sert de l'écriture de Borges comme une force motrice pour s'offrir une errance parmi les possibles narratifs, lui permettant non seulement de déjouer les limites du réel et de la fiction, mais surtout de tenir un propos indirect et sans censure, aussi bien à l'échelle esthétique qu'intellectuelle. Ben Jelloun reconnaît lui-même cette force libératrice en confiant à Denis Brahimi, je reviens à la même citation que M. Urbani avait citée tout à l'heure, « Je ne connais Borges que pour l'avoir lu, mais il m'a apporté une grande liberté. Son utilisation du mensonge m'a appris ce que peut être la liberté dans la l'écriture. » C'est certainement de ce côté-là qu'il faut explorer les motivations de l'insertion de Borges dans l'Enfant de sable pour qu'il ne soit pas réduit à une sorte d'exercice de style où Ben Jelloun pourrait simplement exceller. J'en arrive à mon troisième point, le refus de la mimésie. Il est clair que dans ce rapport intertextuel, Borges sert de masque à Ben Jelloun, tout comme Ahmed sert de masque à Zahra. Celle-ci a trop tôt compris l'avantage de passer pour un homme dans une société inhibitrice et masculine. Il a construit son œuvre, je veux dire l'homme et l'histoire, dans la contrefaçon. Ben Jelloun procède de la même manière, détourné, et il ne manque pas de le suggérer à travers le verre attribué à Ferdowsi, un corps dissimulé dans un autre corps. C'est dire que Borges, inséré dans le corps du roman, est une sorte de métaphore qui décrit le rapport de Ben Jelloun à son propre livre. Il tend à s'y incarner, à s'y installer, corps qui peut être lu comme un livre. C'est de cette relation transitive entre corps et livre qu'est né Ahmed Zahra, parce qu'il est devenu tout simplement un corps libre, confié à tous les conteurs et donc aussi à tous les lecteurs qui peuvent y lire la tentative d'un être engagé dans la reconquête de son être. C'est un autre livre qui s'ajoute à la bibliothèque de l'univers, semble nous dire Ben Jelloun, et j'imagine aussi Borges, mais pour qui sait lire. En effet, le rôle du lecteur n'est pas des moindres. Il doit imaginer ce que le texte ne dit pas. Il doit accepter de se laisser entraîner dans la rêverie active car constamment mis en face de l'énigme et contraint à la relecture du texte. Mais peut-être qu'il faut souligner à cette occasion l'usurpation de l'identité du lecteur faite par Ben Jelloun,
qui le premier a lu les textes de Borges et les a réécrits de façon à les proposer comme un monde indéchiffrable et infini. De là, la convocation de Borges et ses textes, appelés à entrer dans le roman d'un autre écrivain, ne peut avoir pour fonction le renvoi au réel et la simple volonté de raconter l'histoire d'un mensonge. Elle affiche, au contraire, chez Benjeloun, le refus d'une littérature mimétique. Il ne manque pas d'être révélé par le troubadour. Voilà ce qu'il dit au début de son intervention. Votre histoire, parce qu'il n'est pas une traduction de la réalité, m'intéresse. Borges lui aussi était dans un dénigrement déclaré à la mimétique. D'ailleurs, l'on peut juger combien est laborieuse et absurde toute tentative de la part du lecteur qui voudrait reconstituer un semblant de cohérence dans l'ordre chronologique des événements ou démêler les lieux évoqués dans le roman. L'invraisemblance règne et est volontairement constituée. L'on est amené à utiliser cette formule très juste de Suzanne Heller pour qui ce type d'écriture est le simulacre d'un simulacre, dans la mesure où elle n'est pas orientée vers l'extérieur, mais bien vers elle-même, c'est-à-dire vers sa propre image. Benjeloun fait fusionner la réalité avec l'imagination, il lui oppose le pouvoir des mots. Ainsi, il atteint une autre réalité autonome, je dirais auto-référentielle, qui est présentée par l'image du labyrinthe, des miroirs et des textes qui se reflètent les uns dans les autres. C'est dans une sorte de rêverie ravissante que le troubadour décrit sa course derrière l'image fuyante d'une femme, je cite, « Quand je veux quitter la maison qui est un labyrinthe, je me trouve dans une allée, puis dans un marécage, puis dans une plaine entourée de miroirs, ainsi de suite à l'infini. » À aucun moment la réalité ancrée n'est admise, ni envisagée car le texte romanesque semble fonctionner comme un trompe-l'œil, ouvert sur l'imagination et l'horreur. Il s'agit là d'un acte de déplacement, conséquent grâce auquel Benjeloun montre sa foi dans le pouvoir des mots, à signifier sans renvoyer à une réalité fixe. L'on montre ici de plein pied dans l'ère de la modernité, où ce n'est pas seulement les interférences avec des grands auteurs du XXe siècle qui nous gardent. Pardon, je reviens au début de phrase. L'on montre ici de plein pied dans l'ère de la modernité, où ce n'est pas seulement les interférences avec un des grands auteurs du XXe siècle qui le garantit, mais bien les questions d'ordre ontologique que cette conception anti-platonicienne soulève dans le rapport qui relie l'homme à soi et à ses possibilités d'accéder aux vérités sur le monde. L'écriture serait dans ce cas une pratique qui ne prétend nullement agir sur le monde et l'expliquer. Il voudrait au contraire le contourner en lui préservant tout son mystère, mais aussi toute sa monstruosité. La littérature écrit, l'auteur algérien Mohamed Dib, n'enseigne pas, elle désenseigne. Dans la mesure où elle ne prétend pas ramener les vérités du monde à une seule, elle dérange justement puisqu'il pose plus de questions à l'homme qu'elle ne lui apporte de réponse. Je n'arrive pas à ma conclusion, président. Pour spéculer encore une fois sur les intentions véritables de Benjeloun, l'on dira d'abord que l'hypothèse d'un hommage rendu à Borges n'est pas tout à fait exclue. L'Enfant du Sable est paru en 1985, c'est-à-dire à une année d'intervalle de la mort de Borges, en 1986. Cette phrase dite à l'adresse de l'aveugle pourrait bien nous suggérer. Nous serons un peu plus pauvres quand cet homme sera mort. Une infinité de choses, des histoires, des rêves et des pays mourront avec lui. Une autre hypothèse peut aussi nous tenter en entrevoyant dans le pastiche de l'œuvre de Borges la quête non déclarée d'une filiation. Non seulement pour Benjeloun, mais pour une littérature marocaine francophone encore jeune, on est à quelque chose comme 40 années depuis l'apparition du passé simple, et qui tend à s'affirmer en s'ouvrant ici sur une des figures emblématiques de la littérature de l'Amérique latine. Demeure le fait que Benjeloun est à compter parmi les grands lecteurs de Borges et parmi ceux qui ont intelligemment perpétué les obsessions et les techniques d'écriture de l'écrivain argentin en lui donnant une audience délocalisée géographiquement parmi le lectorat du roman maghrébin d'expression française. Merci. Merci.
Merci mille fois, monsieur, professeur. On dit 2 minutes, c'est pas grave. Si on déborde un peu, c'est pas grave. On est là pour apprendre et pas pour imposer des règles. Merci. Alors, briefly, between Benjelloul and Borges, there are lots and lots of similarities. And these similarities could be on the level of the narrative techniques, but it could be also on so many other levels. Sometimes the Benjelloul, particularly in L'Enfant du Sable, explicitly mentions it. It's indeed a Borgesian character, a Borgesian scene, but sometimes it's not. But there are signs of Borges in Benjelloul's text. These could be characters that can become narrators. Sometimes characters can have their own double. It could also be the infinite mirror effect, the labyrinth-like nature of characters seen in time. And so I think that Benjelloul, again, we learned from you, Professor Remli, Benjelloul uses the Borgesian universe to develop a new kind of fiction and to transcend reality. This reality is indeed reflected in the body and the text. The body can and the text are all freed. A character can be both a man and a woman, but a text can also be Benjelloul, but also Borges. And I think that by this, Benjelloul, and of course Borges as well, have tried to challenge what is mimesis, and have actually been in favor of what we call simulacra. This is indeed a very good lesson of what I would call postmodernity, which is not about answers, but it's more about questions and subjectivity. Thank you very much again, Professor Remli, for this brilliant presentation. Maintenant, notre dernier orateur est Monsieur Mohsin. Mohsin Fethi, qui est doctorant et qui prépare une thèse de doctorat intitulée Borges et les possibilités métaphysiques sous la direction de professeur Zahra Lihiwi. L'intitulé de sa communication est Le désert de Borges entre infini et indéfini. Le floor is yours. Bonjour, merci Monsieur le Président. Alors, je vais traiter du désert de Borges et la représentation du monde entre infini et indéfini. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de définir ou bien de contextualiser le désert par rapport à l'imaginaire arabo-musulman pour après passer à voir comment Borges a utilisé toute la symbolique du désert pour traiter de l'une de ses obsessions métaphysiques les plus importantes dans son œuvre, à savoir la nature du monde. Donc, on ne peut parler du désert dans l'imaginaire arabo-musulman sans évoquer sa relation avec la poésie de l'époque pré-islamique jahiliya. Le désert n'est pas simplement un espace aride où vivaient les bédouins, mais c'est plutôt la source d'inspiration des premiers poètes de l'ère pré-islamique, ce qui a donné naissance au poème qasida, qui est une forme poétique monomètre et monorime. De la vie dans le désert, les premiers poètes jahilites sont apparus, à savoir Muhelhil, qui est le précurseur de la qasida, fondamentale de la poésie arabe, et Imr al-Qais, surnommé le roi errant dans le désert, le Malik Valir, poète de l'une des suspendues mu'allaqat, qui sont l'anthologie des poèmes les plus excellents de la jahiliya, dont découle finesse et délicatesse, vu leur excellence en matière de la fabrication poétique sans achérir. Les mu'allaqat étaient brodés en fil d'or, puis suspendus au drapeau de la Kaaba de la Mecque, ce qui reflète la sacralité de la poésie pendant l'ère pré-islamique qui perdure de l'ancien après. Le mode de vie dans le désert, fondé sur le nomadisme, comme pratique qui redéfinit la relation de l'homme à l'espace, s'opposant ainsi à toute sédentarité, se reflète bien clairement sur la production des poètes pré-islamiques. L'absence de toute sédentarité et de stabilité dans la vie au milieu du désert engendre le plus souvent la séparation des amoureux, l'absence de la bien-aimée et son départ avec la tribu, la décision d'aller en quête de la bien-aimée en errant dans le désert. Tous ces corollaires de la vie dans cet espace ont contribué à forger toute une tradition poétique qui exprime l'état émotionnel du poète face à la cruauté du destin. Alors, se trouvant sous le joug de la souffrance provoquée par la monstruosité du désert, le poète arabe a transcendé cette souffrance pour créer une situation ontologique qui se reflète dans les effets esthétiques que l'on retrouve dans sa poésie.
Pour cela, les genres classiques de la poésie arabe reflètent l'état ontologique du poète ainsi que la situation existentielle qu'il vit dans le désert. Dès lors, parmi les genres poétiques développés à l'époque pré-islamique, on trouve la complainte contre la fille du temps, Shekwa Dahar, l'éloge de soi et le courage, Al-Fakhr, poésie amoureuse centrée sur l'absence de la bien-aimée comme Marpel Nassib, où le poète avait pris l'habitude d'ouvrir son poème par une lamentation sur les vestiges du campement, qu'on appelle Bukhar al-Atlaq. Donc cela s'explique par le mode de vie du désert qui n'est autre que mouvement infini dans l'espace. Alors, ce ne sont que les traces et les souvenirs qui restent et que le poète essaie d'éterniser par la parole. Le désert est alors un lieu d'exaltation des sentiments et de séparation des amoureux à cause de la vie nomade des Bédouins, ce qui a engendré toute une génération de poètes fous amoureux, Mejanin, dont le plus célèbre est Qays ibn al-Mulawih, connu par Majnun Leïla, le fou de Leïla, auquel je rapporte les uns de ses meilleurs vers. إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني أو اختلجت عيني رجوت التلاقي أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت أم ثمانية خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي خليلي إلا تبكياني أستعين خليلا إذا أفنيت دمعي بكى لي فلو أنني أشكو الذي قد وجدته إلى ميت في قبره لبكى لي ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذرى لانحنى لي ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى مقعد في بيته لعدا لي وإني لأستغشي وما بي نعسة عسى خيالا منك يبقى خيالي. Alors la figure du poète arabe ne se limite pas uniquement à la figure du passionné ou du fou amoureux, comme je viens de mentionner, mais c'est aussi l'homme qui erre dans le désert à la recherche de la source d'inspiration. Le génie du poète n'est pas une simple expression pour désigner l'excellence d'une production littéraire. Mais pour le poète pré-islamique, il s'agit bien d'une expérience à vivre dans la vallée Abqa. Cette dernière est la vie où vivent les djinns poètes initiant les humains à la poésie. Et c'est ainsi que toute personne ayant été initiée par les djinns de la vallée Abqa est désignée de génie Abqari. Pour devenir un poète doué de génie, c'est-à-dire un Abqari, il suffit de passer une nuit dans cette vallée pour que les djinns poètes te dévoile la magie et le secret de la poésie. De même pour Borges, dans le livre des êtres imaginaires, il transmet une définition des djinns selon l'historien et mathématicien musulman Al-Qazwini, comme étant d'immenses animaux aériens, au corps transparent, capables de prendre des formes diverses. Borges affirme aussi que le désert est l'un des lieux occupés par les djinns, ce qui met l'accent sur la relation des poètes arabes avec ces créatures. Ainsi, Borges confirme que selon la conception islamique, les djinns, ici le site Borges, ont coutume de vivre dans les ruines, les maisons inoccupées, les citernes, les rivières et les déserts. Iblis est leur père et leur chef. Dans la relation des djinns avec le poète arabe pré-islamique, il est très bien connu que les plus célèbres et talentueux des poètes jahiliques recevaient leurs poèmes de leurs djinns inspirateurs ou bien initiateurs et qu'ils sortaient les retrouver à la vallée Abqar à chaque fois que l'inspiration leur manquait. Parmi les poètes les plus célèbres qui ont des djinns initiateurs, on trouve Imru al-Qays et son djinn Lafir ibn Lahir, An-Nabir al-Dubiani et son djinn Hadir ibn Mahir, Antara ibn Shaddad et son compagnon des djinns Jarib ibn Zayd. Le désert est alors un espace où toutes les contradictions sont unies. C'est à la fois un cadre géographique qui rythme l'existence du poète, comme il est un espace fantastique, brouillé, intermédiaire, infini et indéfini, où toutes les frontières entre réalité et imagination sont effacées dans l'infinitude de son étendue. Alors, comment Borges utilise toute la portée symbolique de cet espace, comme je viens d'expliquer, pour nourrir sa pensée métaphysique concernant la nature du monde entre l'infini et l'indéfini? Et comment emprunte-t-il la symbolique du désert pour traiter de la relation trinitaire, interne entre Dieu, l'homme et le monde? Donc mon premier axe, c'est le désert, symbole de l'infini et de l'indéfini. Quelle origine du monde? L'explication du monde dans l'œuvre de Borges s'effectue selon la perspective d'un idéalisme absolu où l'auteur s'engage à refuser l'existence d'un monde absolu, ni la finitude de la matière et affirme que la nature du monde découle essentiellement de la pensée qui est de nature infinie. Le monde n'a d'existence indépendante hors de la conscience. Il n'existe que dans la pensée comme un nombre infini de combinaisons des possibles. Ainsi, pour traiter de la nature du monde,
Borges recourt à la symbolique du désert qui se situe entre l'infini et l'indéfini pour étudier l'une des plus importantes problématiques de la métaphysique, à savoir la nature du monde. Dans sa nouvelle, le livre de sable, Borges traite de l'aspect infini du monde en le comparant à l'infinitude du sable qui constitue le désert. Dans son association de l'unique composante du désert, qui est le sable avec le livre, Borges se sert des deux éléments les plus significatifs de son univers pour faire allusion à la nature infinie et indéfinie du monde. Tout d'abord, le monde dans la philosophie de Borges est à l'image de la bibliothèque infinie. Dans cette nouvelle, Borges s'arrête sur la finitude de l'un qui compose le tout pour traiter essentiellement de la nature du monde, comme il traite de la nature du livre pour déterminer la nature de la bibliothèque. Donc la nouvelle s'ouvre sur le thème de l'infini géométrique pour définir l'infinitude du monde dans la philosophie idéaliste. Cela justifie l'association du livre comme élément de la bibliothèque totale au sable infini du désert. Indéfini pour étudier le principe premier par lequel le monde s'érige et se fende. À travers son personnage, Borges explique la raison pour laquelle ce livre porte le nom du livre de sable, tout en le désignant par le livre des livres, pour expliquer la raison pour laquelle le principe premier de l'existence de l'univers est à la fois l'infini et l'indéfini. Je cite Borges, « Sans livre s'appelait le livre de sable, parce que ni le livre ni le sable n'ont de commencement ni de fin. » Borges traite de la nature du monde en ayant recours à la symbolique du livre par lequel se compose la bibliothèque totale, qui n'est autre que l'image de l'univers et du monde. Dès lors, s'arrêter sur la nature du livre comme élément fondateur de la bibliothèque est un moyen pour étudier le commencement du monde et la nature du principe premier. Dans ce sens, la cause première de l'existence de la bibliothèque borgésienne est le livre. Ce dernier étant de sable et de nature infinie, définit le principe premier du monde comme étant l'infini. L'aspect infini du livre de sable abolit toute centralité du monde et de l'univers. L'absence de l'ordre et de la hiérarchie de l'unité physique engendre l'errance dans le monde de la même manière que le personnage borgésien erre dans le désert indéfini à cause de l'absence de repères spatiaux, temporels ou même existentiels. L'univers pour Borges est à l'image du désert infini et indéfini, ce qui cause l'impossibilité de toute reconnaissance de repères puisqu'il y a l'absence de centralité car le principe premier du monde est à la fois infini et indéfini. Ici je cite Borges encore une fois, « Si l'espace est infini, nous sommes dans n'importe quel point de l'espace. Si le temps est infini, nous sommes dans n'importe quel point du temps. » Donc il y a l'absence de centralité. L'étude de la nature du principe premier à travers la symbolique du désert et du sable qui rejoignent le livre a pour but la précision de la nature de la cause première qui est à l'origine du monde. La question de l'infini que Borges traite à travers la symbolique du sable est l'une des plus importantes problématiques de la métaphysique. Depuis les présocratiques qui ont essayé d'expliquer non seulement l'être en tant qu'être, mais qui ont essayé de s'arrêter sur les origines de l'existence en les renvoyant à un seul et unique principe. Parmi les philosophes qui se sont intéressés à la nature de la cause première, par laquelle se fonde l'univers et le monde de la nature, on trouve le philosophe présocratique Anaximandre, qui précise que la nature du principe originel est ce qu'il appelle l'apparent. Le concept de l'apparent d'Anaximandre rejoint la pensée borgésienne du livre de sable. L'apparent dans la philosophie d'Anaximandre désigne ce qui est infini et indéterminé. Alors, en se basant sur la définition de l'apparent dans la philosophie d'Anaximandre, l'idéalisme borgésien converge clairement avec cette conception de l'explication du monde en renvoyant son origine au principe premier de l'infini et de l'indéfini quand Borges a précisé que la nature du livre de sable est infinie. Le désert de Borges vient rejoindre l'apparent d'Anaximandre pour montrer comment le principe originel de l'infini explique l'existence du monde en dehors d'une série de successivités temporelles ou même dans un ordre de catégorisation matérielle. Cette conception du monde déconstruit la centralité de l'univers et fait de lui le terrain propice à l'indéfinité qui échappe à tout pouvoir. Jean-Pierre Bernand explique l'impact de cette décentralisation de l'univers par le principe de l'infini. Ici, il explique la conception d'Anaximandre de l'apparent. Lorsqu'Anaximandre adoptera ce terme en lui conférant pour la première fois son sens philosophique de principe élémentaire, cette innovation ne marquera pas seulement le rejet par la philosophie du vocabulaire monarchique, propre au mythe, il traduira aussi sa volonté de rapprocher ce que les théologiens nécessairement séparaient, d'unifier dans toute la mesure du possible ce qui est premier chronologiquement, ce à partir de quoi les choses se sont formées et ce qui domine, ce qui gouverne l'univers. Fin de citation. Cette absence de centralité de l'univers dans un monde infini rend sa concevabilité, sa compréhension de l'ordre de l'impossible.
l'infini de caractère indéfini est impossible à être soumis à toute expérimentation empirique. Ce qui fait de l'univers et du monde à la fois un objet impossible et source de toute crise existentielle pour le sujet pensant quand il fait face à son incapacité de concevoir le monde infini qui est à l'image du désert indéfini. C'est exactement ce que le personnage borgésien a exprimé face au livre de Sade. Ici, je cite Borges, « Je me couchais, mais je ne dormis point. Vers 3 ou 4 heures du matin, j'allumais. Je repris le livre impossible et me mis à le feuilleter. Je sentis que c'était un objet de cauchemar, une chose obscène qui diffamait et corrompait la réalité. » Alors, je passe à mon deuxième axe, qui s'intitule « Le désert comme représentation de l'indéfini pour un extensiomondi. » Parmi les principes fondateurs du monde, selon Borges, on trouve le concept de l'indéfini, qui s'incarne le plus à travers la représentation du désert pour mettre l'accent sur l'infinitude dans l'espace et non l'infinitude de celui-ci. Le désert devient ainsi le symbole le plus significatif qui permet à Borges de traiter de l'aspect indéfini du monde, car il est de nature indéterminée. Il dessine alors un monde sans bornes où l'infini se situe dans l'espace et non en dehors de lui, ce qui permet à Borges de concevoir un monde qui peut à la fois ne pas être fini sans pour autant avoir de bornes ou d'aspect fini. Il fonde ainsi, à travers la représentation du désert, un monde possible intermédiaire entre la finitude et l'infinitude de la matière qui donne naissance à l'aspect indéfini du monde borgésien. Dans sa nouvelle « Les deux rois et les deux labyrinthes », Borges expose sa conception du monde indéterminé, sans bornes et sans limites, que l'homme reste incapable de comprendre ou d'expliquer. Dans cette nouvelle, Borges distingue entre un infini actuel et un infini potentiel. Ce dernier s'incarne dans le labyrinthe de bronze conçu par les humains. Cette forme d'infini prend son origine de la finitude des capacités humaines qui ne peuvent dépasser les limites de la matière dont ce labyrinthe est fabriqué. Certes, le labyrinthe est infini, mais ce n'est qu'une infinitude potentielle que Laurent Nicolas définit comme étant effectivement finie, qui s'accroît ou est susceptible de s'accroître. Donc, en vérité, le labyrinthe humain est fini et limité, ce qui a permis au roi arabe de s'en sortir quand il a imploré l'aide du divin. Pour ce qui est du désert, il symbolise dans la conception borgésienne l'infini actuel, relatif à la fois à l'indéfinité de la pensée humaine, ainsi qu'à la nature illimitée de Dieu. L'infini potentiel incarné dans l'espace du désert se définit comme ce qui est effectivement sans bornes. Alors l'infinité effective du désert ne relève pas de l'existence par soi, mais relève plutôt de son existence par influence de Dieu, qui est lui-même sans limite ni fin. Cet aspect de l'infini actuel que Borges traite à travers l'espace du désert détermine l'aspect indéfini du monde, qui n'est ni fini ni infini, mais il est plutôt sans bornes et sans limites. L'aspect indéfini du désert dont traite Borges dans un contexte oriental arabo-musulman n'est qu'une symbolique pour traiter de l'origine indéfinie du monde qui a été l'objet d'un grand débat dans les milieux philosophiques islamiques pendant la période médiévale connue par l'émanation, Zariyat Sodor, et qui consiste à définir le monde comme un acte d'expansion de la substance divine et non un acte de création par volonté. Cela explique la raison pour laquelle Borges lit l'aspect indéterminé du désert à Dieu. Cette représentation du désert comme le symbole du monde indéfini et illimité puise ses racines aussi profondément dans la philosophie d'Avicenne Ibn Sina, qui traite du monde comme un résultat de l'acte d'instauration primordiale de la divinité, ce que Borges a exactement mentionné pour définir le labyrinthe du désert comme l'œuvre infinie et indéterminée de Dieu. Avicenne explique l'aspect indéterminé et indéfini par le biais d'un commencement absolu et atemporel du monde, puisqu'il provient par émanation de Dieu. Et ici, je cite Ibn Sina Avicenne de son livre « Kitab Isharat al-Tanbihat », livre des directives et des remarques, où il dit « L'instauration primordiale, Ibder, consiste ainsi que d'une chose provient de l'être appartenant à un autre, dépendant d'elle seulement sans intermédiaire de matière, d'instrument ni de temps, alors, ce qui est précédé du non-être temporel ne peut se passer d'intermédiaire. L'instauration primordiale, l'Ibder, est donc plus élevée en dignité que la production par génération et que la production dans le temps. Donc, il est à noter qu'Al-Ghazali a dédié un ouvrage très célèbre pour réfuter les thèses d'émanation qui est connue par Tahavut el-Falasifa, l'incohérence des philosophes. Donc, il réfute cette idée adoptée par Al-Farabi et Ibn Sina. Donc, selon la nature indéfinie du désert, le temps et l'espace se confondent au point de devenir indiscernables, faisant du désert un espace d'errance mais aussi de méditation. Borges traite de la nature indéfinie du désert comme un élément donnant naissance à un extensiomondi,
un monde illimité et sans borne en expansion permanente, et qui se situe dans un état intermédiaire entre le fini et l'infini. Alors, il est indéfini. L'aspect indéfini du désert n'atteint pas uniquement la nature de l'espace et du temps, mais il fait de l'homme l'être infini qui englobe en lui toutes les possibles existences de l'univers, de la même façon qu'une poignée de sable comporte en elle toute l'étendue, et l'infini et l'indéfini du désert. Je cite Borges, « À 300 ou 400 mètres de la pyramide, je me suis incliné, j'ai pris une poignée de sable que j'ai laissée tomber silencieusement un peu plus loin et j'ai dit à voix basse, « Je suis en train de modifier le sable. » L'affaire était mince, mais dans leur banalité, mes paroles étaient exactes et je pensais qu'il m'avait fallu toute une vie pour pouvoir les prononcer. » Alors, pour ne pas errer dans le désert de Borges, je cède la parole à Monsieur le Président. Merci. Mais c'est beau d'errer dans le désert de Borges, n'est-ce pas? Au contraire, on est là pour ça. Donc, merci mille fois, Monsieur Mohsin Fethi, for your very brief, but at the same time, very insightful presentation. So, the desert in the Islamic and pre-Arab poetry was a very, very omnipresent topic because it was the symbol of love, of madness, of solitude, but also of inspiration. So jinns, jinnun, like the majnun, were there to inspire people, but jinns could also be there to take you away from your reason. Borges has also, borrowed this metaphor of the desert in his writings, and therefore, for Borges, the desert is indeed a symbol of the indefinite and the infinite. Just like the sand is the metaphor of the word, the book is the metaphor of knowledge or of writing. Also, the desert again is the symbol of a labyrinth where one wanders. When we are in the desert, we do not know where we are and where we are going. It's indeed a space where there are no limits and no indication, just like time, just like space, which are of course indefinite. So the work of Borges is indeed a work without centrality and without hierarchy and without any power. It's just like, again, a metaphor of God, who has no physical existence as such. We cannot, of course, see God, we cannot imagine God as a body, but we can see God or feel God through the desert. These are, therefore, the issues that Mr. Mohsin Fethi tried to cover in his presentation. Alors maintenant, bien sûr, on ouvre la discussion. Et si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, des commentaires, vous êtes les bienvenus. Donc on ouvre une première liste, oui, liste et après on va voir. D'accord, professeur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? D'accord, si Mohamed, je me rappelle. D'accord. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? On va peut-être se contenter de ça avant de passer à autre chose. Bon, ben, écoutez, dans ce cas-là, je vais donner la parole au professeur Evan Gilliestate poser une question ou un commentaire sur le parfum anglais de français. Ça fait une remarquable. Alors, merci. J'ai deux questions, une pour savoir écrire et une autre pour Hans Krebs. Donc, pour savoir, j'ai l'impression que le mode de questionnement de l'œuvre de Borges par Tito est essentiellement la question. Un questionnement, une approche, disons, maïeutique. Mais il me semble, et j'aimerais savoir ce que tu en penses, que dans les deux textes que tu as commentés, la situation de lecture est différente, au sens où d'un côté... Lesquels, les deux j'ai commenté le cinquième chant de l'Enfer de Dante, et Averroès. C'était principalement... oui, tu en as commenté plus, mais principalement ces deux-là. Il me semblait que d'un côté, il y a une sorte de stratification de la lecture au sens où les personnages finissent par être obligés de lire
et la question s'exerce à ce moment-là, alors que de l'autre côté, lors du commentaire de Averroès, la situation est presque antithétique, enfin à l'opposé, au sens où il y a une doxa établie qui repose quasiment sur une non-lecture, non-lecture des textes, et donc le questionnement cherche à rétablir ce qui a pu y avoir comme lecture ou non-lecture pour produire du sens. C'est ça ma question. Et puis la question pour Hans Fett, je peux la poser en français? Non. Monsieur Lachet, tu peux traduire? Non, je ne peux pas traduire en espagnol. Oui, je peux traduire. Oui, très bien. Je pourrais la poser en espagnol, mais je préfère la poser en espagnol. À l'heure qu'il est, je préfère la poser en français. Donc, ma question est, dans ce que vous dites du rapport de Borges sur la littérature européenne, en lo que dice sobre la literatura de Borges en comparación con la literatura europea, et le fait que Borges est une sorte de pré-Edouard Said, est-ce que Borges est une espèce d'Edouard Said? Quelle place faites-vous aux littératures islandaises? Quelle classe ou quelle catégorie, en quelle catégorie ou en quel lugar? Pues podría clasificar, por ejemplo, las obras, les œuvres de... Les œuvres islandaises, parce que... Las obras islandesas. Parce que Borges a écrit un livre sur la littérature islandaise, porque qui me Borges, semble... Porque Borges escribió sobre la literatura islandesa... Une œuvre qui me semble sortir, disons, de l'approche de la littérature européenne comme une littérature dominante. Algo que parece salir completamente de la literatura europea como una literatura dominante. Sí, Mohamed. Il m'est arrivé de dire quelque part quelques lignes sur la République de Brabant, et j'ai trouvé quelques phrases qui enseignent l'amour des parents. Et je me suis allé demander à quelqu'un ou quelque chose sur Platon à l'internet. Et j'ai trouvé que Platon voyagea, pour passer simple, en Égypte. Et je me suis demandé si, c'est une supposition que j'ai faite, et je me suis demandé si Platon avait voyagé comme touriste. Je ne pensais pas. Donc il était allé en Égypte en chercheur. Investigateur. Donc, comment pourrait-il être possible que Platon revienne de l'Égypte sans avoir appris rien sur la Torah de Moïse? Moïse, ça va parler de Dieu, de son univers. Je me demande aussi si, comment est-il possible que Borges ait cette. Son regard sur la musulmane, comment est-il possible qu'il n'ait pas lu le Coran dans sa traduction en espagnol, parce que l'immensité du désert, c'est l'immensité de la parole de Dieu. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. Bon, pour ce qui est du désert, je me demande aussi si Borges n'avait pas lu Antoine de Saint-Exupéry. Parce que Antoine de Saint-Exupéry, c'est quelqu'un qui avait loué le désert parce qu'il survolait le désert marocain dans son aéroplan quand il transportait le courrier de Paris à Buenos Aires. Il y a un roman à lui, donc le Corée du Sud. Et justement, ils m'ont dit qu'il y a un musée qui était en son honneur, ou bien à l'Aïon, ou bien à Tartar, je ne sais pas. Mais parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été une fois à réparer une panne qu'il avait dans son aéroplan. Merci, monsieur Simon. Donc, je donne la parole au professeur de réagir.
Non. Ok, peut-être c'est à moi. Je vais tenter de répondre à la question d'Evangelia Sted, qui portait sur le mode de questionnement selon lequel procède l'exercice de la réécriture chez Quilito. Effectivement, dans les deux textes de Quilito sur lesquels tu voulais qu'on revienne, donc sur Dante et sur 24 heures de la vie d'Averroès, effectivement, la réécriture passe par, on va dire, une avalanche d'interrogatives. J'ai même dit tout à l'heure que je pense que Dante bat le record des interrogatives. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que d'une part, Dante est de par le cadre générique qui reste différent, Dante est une nouvelle. 24 heures dans la vie d'Averroès, malgré le caractère romanesque du titre, est un essai. Avec l'hybridité générique qu'on connaît à Quilito. Donc c'est deux genres différents. Les questions qu'on retrouve dans la nouvelle Dante viennent, à mon avis, nourrir, alimenter la fiction, viennent meubler ce labyrinthe mental dont j'ai parlé tout à l'heure, viennent donner corps à ce délire que vit le narrateur-personnage qui se trouve coincé entre un canapé et une bibliothèque. Donc c'est de la matière première, Quilito réécrit le cinquième chant de l'enfer, tel qu'il a été commenté par Borges, mais en même temps, il nourrit une fiction. Il fictionnalise une conférence et nourrit une fiction. Et donc on se retrouve dans une sorte de labyrinthe mental où le personnage narrateur bifurque de question en question, mais en réalité, l'analyse littéraire à laquelle il se soumet est là uniquement pour... C'est des questions sur lesquelles il anticipe pour préparer le discours qu'il aura pour F quand elle voudra bien venir le chercher dans la bibliothèque. Pour l'exercice de la réécriture devient beaucoup plus intéressant dans la quête dans 24 heures de la vie d'Averroès, puisque pour moi c'est un, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un commentaire rigoureux de la quête d'Averroès, qui est, avec Pierre Ménard, une des allégories les plus importantes de Borges. Une allégorie qui, Quilito, paradoxalement, ne s'est jamais pensé sur Pierre Ménard, contrairement à Genette, contrairement à Foucault, contrairement à tous les représentants de la French Theory. Quilito a choisi de se pencher sur la quête d'Averroès, qui est une sorte de fable théorique, comme vous le savez, justement pour rétablir cette vérité. Donc les questions ne sont pas, c'est pas du tout le même type d'interrogative. On n'est pas là en train d'errer avec un personnage qui, je sais pas, qui se masturbe intellectuellement, excusez-moi le terme. On est là avec un commentateur, d'ailleurs j'ai dit, il parle comme un professeur, il reprend Borges, il le corrige, il dit si Averroès s'était penché sur les traductions de Meta et de Bachar, je pense, ça veut dire qu'il était déjà en face des deux vocables traduits en arabe. Et donc l'erreur ne serait pas la sienne. Donc pour moi, c'est deux modes de questionnement très différents, d'où l'intérêt de l'exercice et de l'étude de la réécriture chez Quilito qui prend des formes très diverses et qui... voilà. Merci, j'espère avoir répondu. Bueno, gracias por su pregunta. Si le respondo en español, ¿me entiende? Okay. Bueno, yo creo que en sí plantea usted una pregunta bastante difícil de responder. ¿Comprendes la o Oui, donc c'est une question assez difficile pour c'est-à-dire donner une réponse. Trataré más bien de responder, de problematizar la pregunta. Alors, au lieu de répondre, je vais essayer de problématiser la question. Por ejemplo, creo yo que Borges se interesa por las sagas islandesas. Alors, donc, je crois que Borges s'intéresse pour l'Irlande et la littérature irlandaise. Non, islandaise. Hein? Islandaise. Islandaise, si, islandaise, pardon. Porque son un antecedente linguistico de l'inglés. Parce que ce sont des antécédents de l'anglais. Que es su segunda lengua. Qui est sa seconde langue. Entonces, creo yo
que ese es el motivo por el cual se preocupa Borges por el anglosajón. Alors c'est pour cette raison que donc Borges s'intéresse pour ce qui est anglo-saxon. Anglo-saxon. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las literaturas latinoamericanas. Tout à fait le contraire de ce qui se passe pour la littérature en ce qui concerne la littérature latino-américaine. Es decir, si uno compara la cantidad de textos que Borges le dedica a la literatura europea. Si on prend en considération la quantité de textes que Borges, sur lesquels enfin, Borges s'intéresse concernant la littérature européenne, face à la littérature latino-américaine, la proportion est immense frente una respecto a la otra. No así con la literatura argentina. Alors la proportion dans ce cas-là, elle est complètement différente, ce qui n'est pas le cas pour la littérature argentine. Sí, sea la gauchesca o la literatura du gaucho. Y eso creo yo que es un problema dentro de la obra de Borges. Et ça, c'est un problème, il croit, dans la l'œuvre de manière générale de Borges. Que justamente responde a un interés cultural hegemónico, que es la edad de su familia. Qui répond effectivement à un intérêt hégémonique de la littérature. Qui a une relation avec la famille sí. Et la bibliothèque de son père. Justement, et qui pertenece à une classe qui provient de famille anglaise. Et donc, une influence tout à fait directe avec donc, la famille, la bibliothèque du père, qui provient de, d'une origine anglaise. Il y a la oligarchie a priori. Il y a la oligarchie a priori. Et à l'oligarchie, l'oligarchie donc, dont il faisait partie. Non sais si logro responder en parte. Je ne sais pas s'il a répondu effectivement à votre question. Disons que c'est une réponse pour problématiser, en effet. Et c'est effectivement une réponse bastante problématisable. J'aimerais bien revenir sur le voyage de Platon en Égypte. Il est bien connu que la philosophie est une production purement grecque, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez vous référer à un ouvrage de Jean-Pierre Bernand où il traite des origines égyptiennes de la philosophie. Platon a effectué son voyage pour apprendre des moines égyptiens qui se vouaient à la méditation. C'est pour cette raison-là qu'il a fondé des jalons de la métaphysique et que Borges s'inspire énormément dans sa métaphysique de Platon. Deuxièmement, pour ce qui est du désert. On ne peut traiter du désert comme un espace géographique, comme on ne peut traiter du livre et de la bibliothèque comme des entités physiques. Parce que ce ne sont que des symboles pour traiter de la nature et de l'origine du monde. Merci. Ben écoutez, merci mille fois pour les organisateurs d'abord de ce colloque international sur Borges. Merci mille fois pour les intervenants de la première session et la deuxième session. Merci mille fois pour le public qui était merveilleux. Et on vous donne rendez-vous demain, bien sûr, à la cinquième session. Merci à vous.